Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Dr. Kong pour un nouvel épisode de Tavern Master. Alors je suis toujours au même moment, hein. C'est juste que j'ajoutais une déco ou deux, hein. Un globe, des parchemins, je crois une étagère avec des parchots. Et une étagère avec des parchots pour penser à faire ma petite zone de magicien évidemment. Hein. Allons au jour suivant. Par contre je vous préviens, je sais même plus comment je m'appelle. Hein. Avoir une moyenne de 1 étoile pour la nourriture. C'est mort. Bon, on va tenter, hein. Rends moins 700 balles. C'est la mort. Ah ouais, j'ai que des bourreaux. Putain, c'est la turbo teuf des bourreaux. Oh, rappelez-vous quand je lui ai coupé la tête, les gars. C'était incroyable. J'ai dû m'y remettre 3 fois. Et le gars bougeait encore, quoi. Non, c'est horrible, Jackie, ce que tu dis. Non, incroyable. C'est moi ou c'est des mecs aussi qui mangent de la soupe là. Les bourreaux, ils mangent des soupes. C'est quoi le problème? Les bourreaux mangent de la soupe. Vous y voyez un problème, vous? Pourtant, il y a une soupe aux champignons, oui. Les mecs mangent de la soupe. Les mecs mangent de la soupe, hein. Non, mais je vous le redis, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu surprenant. Yes, excellent. Ok. Les pintes. Ouf, par contre, elle a tout emmené d'un coup, quoi. C'est bleu. Il y avait des trucs sur la table, il n'y a plus rien. Ils consomment quoi? Ah, je me gourre tout le temps. Bière brune. Ouais, comme les gardes en fait. Ok. Je vais en profiter, je vais refaire les pleins tout de suite. Ouah, 215, je suis pauvre. Là, ça me coûtait 3,98 de refaire le plein. Oh, on a trop de clients. J'en ai servi 24 sur 65. C'est la mort. Il vient de se passer un truc. Ah oui. Je veux découvrir des escaliers. Je sais pas comment on monte à un étage. Parce qu'on monte rarement à la cave. Comme on descend d'ailleurs rarement à l'étage du dessus. Même si ça arrive, puisque des fois on parle de l'étage du dessus. Parce que juste avant on a parlé du rez-de-chaussée. Et donc ça veut dire que t'es au deuxième. Alors pour les Anglais, ça veut dire qu'ils sont en troisième. Ouais, je sais cette technique. Client en colère? Zéro. Mais par contre, j'ai pas servi tout le monde. Hein. J'ai douillé, c'était impossible de servir tout le monde. Aïe! J'en suis bon. J'ai mal. Ne servir que des soupes! Toute la journée. Rien. Rien. J'ai gagné des petits pois. Quand on aura du but, je nous propose d'aller chercher des jambons. Ah oui, ça y est, le crew a augmenté là. Ah ouais, le crew est plus fort là. Je vais mettre toutes les squads. Chercher des jambons. Je m'en bats les couilles. Chasser dans la forêt. Ouais, ça me coûte cher hein, quand même cette histoire. Hein. Des noix, je crois que je peux me permettre. Si je les envoie me chercher des noix. Il en faut 20. J'en ai. Attendez. 15. Donc si je les envoie chercher des noix. 7 noix, on est bon, on peut faire la teuf de la noix. Bah, on va pas gêner, hein. 92. Ouh. Il y a des chances d'échec, hein, quand même. Hein. Il y a des vraies chances d'échouer, quoi. Mais bon, c'est pas grave, hein. Bah, on va se le tenter quand même, hein. Ouais, 92%. Ouais. Ça passe à 92%, hein. Par contre, faut que ça augmente l'argent, hein. L'argent, c'est tellement dur. Tellement dur.
On a pas assez de marche, quoi. Ok, les gars sont partis. Et normalement, normalement, ils vont rentrer avant, ouais, avant les vêtements. C'est pas demain, c'est après-demain. Ouais, ils rentrent juste avant l'événement. En vrai, je peux me relancer un petit événement. Un petit événement de fromage. Dans le plus grand des calmes. What? What? Ah, c'est la viande qui coûte ultra cher. Et ben, stock tout sauf de la viande. Ne servir que des soupes, on est bon. Du client rare. Gagner plus d'un. En une seule journée. Ah, il faut gagner 2500 goldas en une journée. Ok. C'est quoi les objets? 1,5 pour la nourriture. Chaud, hein. On sert tout. Pas d'événement particulier en cours, on est bon. Et on n'a pas fini dans le rouge, mais j'avais gagné 900 balles. Hein. il y en a 800 qui ont disparu, quoi, 750 au moins. Et heureusement, hein, je retarde les niveaux des gens, parce que sinon, sinon ce serait pas bien. Hein. On remplit tout. On remplit tout. Et on est ruiné. Oh, le vieux avec son iroquoise, quoi. Incroyable. 273 pour aller chercher du fromage. Non, mais les prix, c'est du délire, quoi. Là, en gros, faut les envoyer à la cueillette, quoi. Ça peut se faire. On peut se faire une team. On souhaite ça. Allez. Ah, ça augmente, hein, maintenant que j'ai un vrai chef dans la cuisine, hein. Go, faut monter en niveau, hein. C'est pas le bon. Go. Go, faut mettre un coup de cravache. L'argent t'a endormi le cerveau. Ah, vous marchez dessus directement sur la table. Ah, vous en avez plus rien à carrer. Incroyable. On va finir en positif. Alors attendez. Payons les recharges juste pour voir si on finit en positif. Après avoir payé quand même moult aventure. Hein. Ça sent négatif, ça. Dégage! Il va falloir que j'améliore ce garde. C'est obligé. Bon, 78. Servir plus de 60 clients en une journée, ça c'est bon, ça va se faire tout seul. Atteindre 3 étages sur un plat. Patience. Donc c'est le jour de la chevalerie, bien sûr. Hein, c'est le jour où on se régale. Hop, on récupère les noix. Hein, ça nous les brise un peu, mais on se les récupère. Quel humour de dingue. Faites sur le thème des vikings. Il me faut 2300 de... Hein? Bah je les ai. Ah non, il me faut encore 2300. 7005 les bonhommes. Hein, et j'ai pas la recette, gâteau aux noix. Ah,
du coup c'est mort. Cette fête est déjà prévue. Eh bah merde. Enfin, je voulais dire flûte. Ouais, vas-y, hein, on se remet une petite fête des bourreaux, hein, la base. On peut s'en programmer une troisième? Non, on a déjà programmé trois. Il y a déjà trois fêtes de programmer avec celle d'aujourd'hui. Let's go! Alors aujourd'hui ça va, ça régale. Hein. Aujourd'hui ça part. Hein. Allez, hein. Hop, hop, hein. Oh là là, ça a soif, hein. Ça a soif direct. Tac, tac. On va voir l'étage. Je pense que dès qu'on a l'étage, on refait la maison. On refait l'établissement, enfin. Ce qui est ouf, c'est que cette table est si moche et c'est considéré comme du haut prestige. Genre les planches elles sont pas droites. Moi ça me bousille quoi. Genre cette table là qui est trop belle et trop propre, c'est considéré comme étant de la merde à côté de ça. C'est fou quoi, genre c'est à peine mieux que ça. Monde de dingue. Je comprends rien. Les gens sont fous. Me dites pas qu'on peut pas servir tout le monde hein, sinon je vais devenir fou. Hein. Y'en a plus qu'un qui bosse. Allez les bières là, oh. Il y a 8 bières à ramasser là. Sur les événements, on a l'air d'être limite en personnel. Hein. Je crois qu'on a trop de clients. C'est ce qui se passe si on a trop de clients. Hein. Je vire personne. Je dégage juste les bardes. On aura un peu moins de clients et c'est très bien. Parce que là, on fait pas d'argent. Hein. Là, on tire la langue. Il n'y a pas de thunes, il n'y a rien. J'ai pas servi tout le monde, on va arriver... Bam, c'est bon, j'ai servi tout le monde. Le problème, c'est qu'il faut servir 40 personnes et j'ai pas l'étape pour servir 40 personnes. j'ai pas le personnel. Qu'est-ce que j'ai validé? Ah, 2500 goldas, parfait. On a fait 2500 balles sur une journée, c'est bien. C'est une bonne chose. Ok. Donc on arrive à sortir 2500 sur une journée. Easy, d'ailleurs, parce que finalement on a peut-être sorti même 2006. Enfin 2005, allez, on va dire on sort 2005. Pour 750 de charge. Mais j'ai pas déduit les recharges. Les ce que les gens ont consommé. Bon ça va, ça avait l'air raisonnable. On a quand même, on touche à peine le double. Hein. Donc on a acheté 50 ingrédients, les clients rares. Ah oui, il faut que je fasse du client rare. Atteignez 3 étoiles avec n'importe quel aliment. Ah, c'est n'importe quel aliment. C'est pas forcément... Bah si, c'est donc du coup un aliment, pas un plat. Je comprends rien. Je comprends plus rien. Voilà. Let's go mes jambons, hein, on y retourne. Ben. Voilà. Bon, l'équipe sur du jambon. Allez, cassez-vous. Levez-vous, barrez-vous, foutez rien de vos journées. Supportable. 50 clients, ça va, t'as 3 étoiles sur n'importe quelle place, donc un jour on y arrivera. Hein. Et acheter des ingrédients. Faut qu'on ouvre la cuisine là, les gars. Hein. La cuisine est ouverte. On peut pas faire plus. Niveau planning, qu'est-ce qu'on se met? On se met rien du tout. Donc on n'a pas lancé une fête, on peut pas en lancer une autre. On peut pas en préparer une autre. Ah. Escape, il faut juste des clients rares, donc faut attendre encore un peu. Bon, on va commencer à poser des murs, hein. On va commencer à poser ce qui coûte de l'argent. L'idée de projet, c'est ça. Voilà.
pense que ça doit faire au moins cette taille là si je veux aller ici et poser une grande tablée. Parce que la grande tablée, ça a l'air lol, ça a l'air sympa et tout. Mais si je veux mettre des bancs, on est marron. Parce que je suis à peu près sûr que ça, si je mets des bancs, on est mal. Je pense que cette table, faut lui laisser de la place, faut la laisser respirer, je pense. Des places assises. Nous n'avons plus d'argent. Parfait. Excusez-moi. Hop, on relance. L'idée, c'est de faire une terrasse ici. Le sol de la terrasse. Terrasse en bois ? D'accord. Construire un mur ou deux. Alors pour l'instant, je sais pas trop en termes de mur. Donc il est probable. Mais ça, c'est juste pour dire vas-y, c'est ouvert, c'est dehors. L'idée, c'est de faire une mezzanine couverte. Oui, hop. Ah oui, non, faut le mettre sur un mur. Yes, bon. Pas assez de thunes. T'as vraiment pour poser 4 murs, j'ai pas assez d'argent. Même cette table, elle est dégueu. Elle est dégueu, cette table. C'est de la merde. Au secours. Tac. Il me faut une porte ici. C'est moche, ça. Mais ça, je vais même pas regarder. C'est moche. C'est sûr. Hop, 60 distance, ça coûte plus cher qu'un vrai mur. C'est pas un vrai mur, ça coûte plus cher qu'un vrai mur. Il y a 2 heures. J'ai pas assez de thunes. Bon bah voilà. Problème réglé. Je peux même pas poser une fenêtre. Je suis un clochard, c'est horrible. L'air d'être à la limite d'être incapable de servir. Hein. On va finir en négatif, mais tant pis. Hein. Je vais la poser ma fenêtre. Voilà, j'ai posé mes fenêtres. Que c'est ce que je veux pour cette table. Et du coup, on pourrait potentiellement poser une deuxième. Je comprends pas trop mon idée. Bon, laissons ça comme ça. Je suis peut-être en train de me dire qu'il faudra faire une grande terrasse là, vraiment, où il y aura genre 2 grandes tables. Peut-être. Avec un bard, je sais pas. J'avais pas spécialement prévu un bard de ce côté-là, mais il y a une idée. Débarrasser les tables, ça se fait vraiment même après le service, quoi. C'est un peu le flux tendu. Boum. J'ai Mona Lisa. Excellent. Oui, si tu veux. Hop là. Et une Mona Louisiana, tiens. Très joli. Et hop, ça dégage. Jour suivant. Il faut qu'on rende du pognon. Qu'est-ce que ça dit? Servir plus de 60 clients dans une journée. Ça va passer tout seul. Ah oui, j'aurais pu boucler l'achat des ingrédients hier, j'ai été idiot. Maintenant, on va être obligé d'attendre. Encore une journée. C'est pas tout de suite. Ça va se faire. Patience et vergeture. Ça va bien se passer.
On attend juste que la thune remonte. Tranquillement. On va faire un joli truc, hein, moi, je pense. Quitte à devoir... comment dire... la Joconde l'a déplacer peut-être. Peut-être déplacer la Joconde. Pour pouvoir avoir de la mobilité sur les murs. Je suis en marche, je suis mobile. Pour éventuellement... je pense que je vais éclater ce mur, je vais rajouter un mur. Oh alors je fais un truc fou. Waouh, j'ai une idée. Qui a l'air un peu folle, hein, je vous préviens. Ça a l'air d'être un peu une dinguerie. Même là, en fait, si je veux rajouter des vraies places, ça sort de prix. Ça, c'est quoi? Cet objet est verrouillé. Aller à l'arbre de recherche pour le déverrouiller. Ah, c'est, ça se passe dans l'arbre de recherche. Ok. Alors, certes, mais où? C'est peut-être dans l'hôtel? Non, c'est pas dans l'hôtel. Enfin, je pense pas. Oh, tapissier, c'est hyper loin! Oh, c'est hyper loin! Hyper méga loin. Hyper méga loin, va falloir faire. Va falloir trouver des alternatives entre deux là. Hop, hop, je voudrais poser un banc au moins. Attends, je crois que je vais y arriver. Ah oui. Bah, y'a pas les sous. Y'a pas les sous pour éclairer. Tant pis. Il y a les sous pour éclairer. Mais est-ce que je mets tout de suite ce que je veux comme lanterne? Ouais, au-dessus là. J'ai pas assez de sous pour ça. Ah oui, il faut 300 balles. Bon, bah voilà. Est-ce que je peux avoir 300 balles, s'il vous plaît? Merci. Hop. C'est clair. Ça au moins, c'est clair. Ah, la réputation, elle est bien montée par contre. Hein. Les meubles coûtent une fortune, mais ça monte. Ça rigole pas. Tiens d'ailleurs. Voilà. Oh oui, commence directement le jour suivant. Hein. Ah oui, j'avais servi mes 60 clients. Bon, on est plus trop à ça après. En termes d'histoire, là, qu'est-ce qui se passe toujours pas chez dans les menus? Ok, c'est fait. C'est fait aujourd'hui, c'est la fête au village. Tech. 371, je les ai pas, mais il faudrait que je vous envoie là. Oui, il y a le vieux, il est revenu. Oui, il y a une équipe de vieux. Alors, si on garde les meilleurs. J'enlève le 23, je mets le 22. 99,9%. Allez. 99%, c'est 100%. J'ai gardé avec les meilleurs, avec le vieux, avec sa cicatrice sur la gueule, de l'équipe A, bordel. Parce qu'on est 12 équipes, bordel. Ouais, je dis beaucoup de fois bordel, bordel. Parce que dans ma tête, c'est souvent le bordel. Ah ouais, plus de tables, plus de clients, plus, plus, plus. Ah, il me faut des thunes, là. Je pense que plus, là, ça serait bien. Wow. Oh, les tables sont pleines. Je sais pas s'il y a des commandes de bouffe. Non, ça a l'air de bien se passer. Ça va. Mais on a deux doigts, ce que ça tourne mal. Hein. Place, est-ce que je peux... Ah non, 700 balles. Attends, on peut rajouter un petit, là. Faut que j'arrête de cliquer, glisser tout le temps.
Ah, ça prend... Non, tu te fous de ma tête. Un tabouret de luxe. En termes de... Attends, il est impossible de... Ouais, ouais, bah attends. Il est impossible de changer les couleurs de cet article. Attends, c'est quoi ces conneries? Voilà. Ouais, il est possible de changer la couleur de ton article. Oh, c'est beau. Hein. On brasse pas cette pognon. Qu'est-ce qui se passe? What? On a plus de vin. En plus le reste. Ouah, on était ruinés. On avait plus de vin. Vite, jette une coupelle de vin, vite, pour le dernier assoiffé. Bam, 600 balles, j'ai servi tout le monde. Allez, ça régale. C'est exactement ce qu'on voulait. Il fallait que quelqu'un nous annonce, tiens, prends 600 balles tout de suite, ma gueule. Ah oui, non, ça c'est autre chose. Place. Oh là là, incroyable. 1000 balles. Ça, c'est une belle journée. Hein. Regarde, c'est tellement une belle journée. On se rajoute une place. 6 sur 10. Donc 8 sur 10. Ah, je pourrais. Ah, c'est une table de ouf! Non, je suis tellement pas prêt. Ok. Ok, je suis pas prêt. Non, j'admets, je ne suis pas prêt. Cette table est incroyablement ouf. Ça va prendre une place, mais de malade. Mais on va se le faire. On va se le faire. Place de dingue incoming. Recherche. Plus 21 clients par jour. Je prends. Voilà. Au planning, la soirée, elle est encore d'actualité. Ok. Dégage! Pour l'instant, je suis très étonné de n'avoir qu'un seul voleur. Mais j'ai pas envie d'avoir la mauvaise surprise. En fait, à un moment donné. Atteindre 3 étoiles avec n'importe quel élément, faire progresser n'importe quel employé, ne servir que des plats principaux toute la journée, en 250 litres de n'importe quelle boisson. La cuisine, c'est déjà parti. En plat principal. Dis-moi, c'est que des plats principaux. Que dalle, c'est mort. C'est mort pour aujourd'hui. N'importe quel employé, Talbot. Ah! Le tenancier. Le tenancier. T'es bon partout, hein, donc. Tiens. Muse-toi bien, ma bonne grosse gueule, hein. Ah, ils se sont accaparés The Table. Ah, ils ont pas rigolé, les gars. Je pense qu'on va supprimer, hein. Ouais, on va supprimer ça, hein. De toute façon, fallait que ça aille plus loin. Oh, on les sert quand même dans des gamelles en argent, hein. C'est quand même la dinguerie. On peut améliorer nos prix ou pas, garçon? Genre... Attends, sors-moi de là. Je fais pause. On sait jamais. Changer les prix. On descend à 39 clients. 39 clients, ça commence à devenir chaud. Même si les marges sont bonnes, hein, à ce moment-là. C'est... Il y a un peu trop de pertes. Je descendrais à un petit peu moins de 100. Je dirais ok. En vrai, je m'en foutrais. Mais là, je perdais 150 balles pour en gagner 40, quoi. C'était horrible. Malheureusement, j'ai quand même besoin de brasser tout ce monde. Place, hein. Je pourrais mettre un petit fauteuil con au bout là. Qui va bien. Niveau supérieur.
formidable. Donc là, on va mettre ça ici. On va repaver, on va repavasser par là. Ça va être chaud de caler cette table. J'avais pas prévu qu'elle soit vraiment aussi grande que ça. Ça me met un peu dedans pour la composition. Mais on a de la surface. Pas tant que ça. Il reste plus de surface. Ça prend beaucoup trop de place, hein, délire. On verra bien ce que ça donne. Avant de passer, évidemment, on va faire le plein. On remplit tout. Les gars, hop. Tout est plein. Les événements, c'est bon, ça roulotte. Demain, du classique. On est en négatif direct. Ne servir que des desserts toute la journée. Yes. Que des desserts toute la journée. On envoie des dingues. Direct. Qu'est-ce que ça raconte par ici? Filet des jambons, les gars. Bien joué. Faites-moi péter le jambon. D'ailleurs, faudrait peut-être que je vous renvoie chercher... Oh, chasser du jambon à 600 balles. Oh, ouais, c'est hors de prix, les gars. Oh, les prix. Eh, vous reviendrez quand vous serez moins cher. 3 étoiles. Succès déverrouillé, hein. Les gars, ils sont fous. Par contre, vous avez quand même votre petit coin avec vos deux rideaux, votre blason. Les... On vous a mis grave bien avec votre chandelier à vous, là, du cerf et tout. Et les gars, ils consomment pas une goutte, ils me coûtent que du fric. Pour ramener des vieux fromages qui puent. J'entretiens la guilde des Savoyards. Regardez-les, ils ont tous l'air coupables. Ils savent que tu me tapes beaucoup trop de fric pour du fromton, pour du lait de vache. Putain, les bâtards. Quelle horreur. Incroyable. Poète. J'ai oublié de bouger cette table d'ailleurs. Faut d'ailleurs que je redéplace un certain nombre de choses en vérité. On aura fait un petit billet. Pas vilain. Quand je regarde les thunes se déplacer là, je me dis pas mal. Pas de quoi payer la guilde salaud là. La guilde des salauds. Cette table attire sur nous un prestige de folie. Je vais laisser débarrasser. Hop, hop, hop. Parfait. Alors. On a bouclé des trucs. On a servi que des desserts. On peut tout de suite se mettre en mode plat principaux demain. A-t-on atteint le nombre de barman maximal? Non. Donc ça veut dire que pour l'instant je peux pas le prendre? Il reste accessible? J'espère. Hein. J'espère. Et j'espère que ça ne bloque pas la suite. Alors. Certes. J'ai besoin d'aller en construction. Toi j'ai besoin que tu bouges là. Comme ça. Je me demande si je ferais pas mieux de coller ça. En vrai, je peux faire ça. Non. J'ai l'impression que c'est en haut et au milieu, mais en même temps pas en haut et au milieu.
C'est une sensation très étrange. L'illustration, on peut le peindre en rouge? Le jeu, il a dit non. Il a dit calme-toi. Ok. J'ai ensuite, en termes de tapis. Ok. On est pas mal. On est pas mal. Je voudrais récupérer celui-là, genre par là. Ça m'arrangerait beaucoup. L'idée, c'est de potentiellement poser la guilde des guerriers, genre ici, tu vois. Alors, c'est bien parce que ce tapis va permettre de me dire... Si je le mets là, c'est bon. T'es sur ton coup, mon gars. Ça me paraît léger. Hein. Ça me paraît sacrément léger. Admettons. Si je le mets là, il me reste tout ça comme place pour poser la guildas de guerrier. Ouais, en sachant que j'aurais bien laissé un petit peu d'espace, genre une case, tout ça, tac, alors comme ça. C'est, je sais que c'est pas très bien centré, mais l'idée serait là. Ce serait donc debout. Non, pas toi. La table des gars là. Je peux avoir la table. Ah oui, non, je suis sur les tapis. Excusez-moi. L'idée, c'est d'aller mettre donc les gadjo. Pas. Je veux plus les tapis. Super. Non, mais je peux pas le prendre du coup, le gars. Par contre, s'il y a une chose qu'il faut que je fasse, 250 litres de boisson, ne servir que des plats principaux. Alors, déjà, les boissons, on remplit. Ne servir que des plats principaux. On va à la carte. Rien du tout. Tout. Tout ou rien. Oui, je peux toujours pas le prendre. Ça va me rendre fou, ça. Hein. Ok, je peux rien programmer. Ça marche. Dans l'idée, je vais aller texturer le sol. Ça veut dire que tout ça, c'est l'extérieur. Hein. Blé, c'est ma terrasse extérieure, ça. Hein. Elle est fat, hein. En sachant que j'aimerais m'offrir une petite étrangeté. Une bizarrerie, ici. En fait, j'aimerais qu'ici, il y ait la place des saltimbanques. Genre, eux, ils sont par là. Bon, j'étais mort. Quoi? Ah non. On descend, moi. Sans faire exprès, je suis allé à l'étage. Ah, toujours pas. Je vais remettre comme ça. On est bon. On a l'air d'être bon. Ça c'est pas mal. Et bien après, il me faudrait d'autres tables. Je pense que pour l'instant on peut se la jouer comme ça. On verra bien, de toute façon il faut rentrer des thunes, donc let's go. Ouah, le nombre de bourreaux qui se baladent dans la stream. Y a pas le boulot de... Y a pas genre les bourreaux de tout le royaume ou de tous les royaumes environnants également, ni de toute la planète, mais également ceux des mondes extérieurs. Tout ce qu'il y a de près ou de loin, une carrière de bourreau, aujourd'hui ça se déplace. Hein, c'est fou. C'est fou. Après, je me dis, voilà, je prends énormément de place, mais en vrai, déjà rien que le bar va se décaler de 1, au moins. Laisser l'accès cuisine, je pense, par là.
Donc ça veut dire que là, lui qui prend déjà 1, 2, 3 cases, en gros, va se retrouver à en prendre 1, 2, 3, 4, 5 minimum. Je pense probablement mettre l'escalier au bout. Il est tout à fait possible que je sois contraint et que je sois contraint et forcé au début de faire progresser n'importe quel employé. Alors n'importe lequel. Hugo, toi qui nages dans le bonheur, ma gueule. Continue à faire des plats principaux comme un roi. Bien joué. Pas de bourreau qui achète de plats à l'extérieur par contre. Hein. C'est conceptuel. Préparer des corbeilles de fruits 16. Oh bah c'est pas pour tout de suite. Hein. 250 litres de n'importe quelle boisson. Ah, ça par contre ça va être pour tout de suite ça. Voilà. Je sais pas si on est bon ou pas mais... C'est vrai que des plats principaux toute la journée. Ah bah non ça c'est de la soupe. C'est cuit. J'ai servi de la soupe aujourd'hui. La table elle est pleine. Voilà, guerre. J'ai plus assez de serveuse. C'est trop la guerre. Et bon, une serveuse de plus et je suis ruiné. Ok, fin de service. Recherche terminée. On va commencer ça du coup. Bah, j'ai pas pu servir que des plats principaux toute la journée. Donc j'ai surtout servi tout sauf ça quoi. Rien. Allez, je peux pas tant qu'on n'est pas passé à la journée suivante. Pas ça. Ça. Événement. Ok, c'est bon, ça l'a viré. Que des plats principaux. Maintenant. Non. Oui. Ici. J'ai la recette de ce truc là, il me faut des jambons. J'ai plus rien, plus de fromage, plus... Oh, j'ai plus rien. Ah oui, plus j'en organise, plus ça consomme. Ok. Ça mérite d'être clair. Ou c'est parce que ma notoriété a augmenté que les coûts ont augmenté. 4005, je les ai larges. Bon, on se fera une fête de clochard d'habitude. Hein. La fête des familles, vous vous rappelez, ça faisait longtemps. Et ben... 177 clients à servir. J'ai pas. Voilà, c'est aussi simple que j'ai pas. Vous servez à quelque chose, vous? Rien du tout, tout est hors de prix. Tout est hors de prix, les gars. Mes marges n'ont pas augmenté, hein. C'est dingue, hein, comment vous croyez que je suis blindé, mais qu'en fait, pas du tout. Donc ça, si ça d'ailleurs, ça va jusque là, en vrai, mon tapis, je peux le bouger, hein. Je peux le boucher large. Je le mets là. Ou même là. Ça, il est pile en milieu. Techniquement, j'ai laissé une case entière. D'ailleurs, le tapis, je pourrais le bouger de 1. Parce qu'en fait, toute la table, je peux la bouger de 1. Moi, je vais faire fuir mes clients tout de suite, mais je m'en fous. Vous n'avez pas qu'à scotter la table des riches à l'autre pauvre. Édenté. Allez, cassez-vous. Direct. Tout de suite mis des clients en colère. Direct. J'ai perdu 2 clients par jour. Direct. C'est bon ça. Je pense que je peux placer une table là, ouais, 1005.
Oula. On a foutu que vous soyez dans le noir, moi, tiens. Ta bougie, là. Il a tout de suite trop squatté la table. J'ai pas eu le temps de prendre mon loot que le gars il a squatté la table. Direct. J'ai pas le temps. Il a sauté dessus. Il a dit ma vie pour ce fauteuil confortable. Ce banc confortable. Assise. Je suis à 800, je peux remettre un autre banc. Je suis à 1, 2, je pourrais me décaler. En fait, je pourrais tout décaler parce que, en vrai, j'ai la place donc. Je vous décale là. Toi, je te décale là. Hop, je mets du rouge. Tac, tac. Ça fait déjà un peu plus net. Ouais, ils sont pas contents. Ouais, ils sont pas contents, ça me fait pareil. Cassez-vous. C'est vous, bande de blaireaux. Si ce qu'on peut faire, c'est aller là. Hop. Vendre ça. On peut aller caler ça là-bas avec ça par là. Ça par là. On peut bouger ça, genre accrocher là si tu veux. Non, mais je m'en fous, accroche-le ailleurs, genre là-bas. Où tu veux, mais alors là, j'ai plus assez de murs. J'ai plus assez de murs pour bouger des trucs. C'est un truc sur un angle que je mets. Ok, c'est bon, j'ai. Allez, du côté du bar. Très bien, impeccable. Ce que j'ai besoin, c'est de cette lumière là. Je peux pas placer cet objet ici. Tu te fous de ma tête, là. Ouais, merci. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. J'ai un versus pendu dans le vide, du coup. C'est un style. Est-ce que je peux aller chercher un petit peu d'argent? C'est un peu à mes risques et périls, ça. Ouais, surtout, je gagne rien, quoi. Lumière. On est bon. J'ai des choses à récupérer. Oui. Oh, avec 1100 balles. Atteindre plus de clients, je vais être à 163 sur 177 grâce à mon luxe. Mais... je crois qu'il faut que je switch la formule. 16 corbeilles de fruits, il faut que je prépare du fruit. Faut que je prépare du fruit, donc rien et tout en dessert. Voilà, c'est la journée de dessert. Ou alors je me la garde en quête de fond. Ouais, non, mais ça donne de la... Ça me permet d'avancer, donc non. On va aller les faire. Place. Un jour, je me tromperai pas. C'était bien l'argent, mais c'était avant. Il manque 200 balles. Je pourrais vendre des tables hein, pour les gratter 200. On va les vendre cette table-là, hein. Ça vaut de l'argent. Hein. Non, on va juste remettre la couleur. Je crois qu'il me le compte pas actif non plus parce qu'il n'y a pas de mur. Alors on va mettre des murs. On va mettre du mur comme ça. Très bien, mais après je pense que mur plein. Voilà. L'idée c'est de faire une scène comme ça.
Et là, juste un truc comme ça, genre. J'ai pas assez d'argent pour cette action. Bah voilà. Vous ne verrez jamais ce que je veux faire. Dégage ! Je suis occupé à faire la déco, mais à un moment donné, il faut que j'améliore le chef de la garde, là. Hein. Me défendre contre les voleurs. Bravo à moi. Je ne peux toujours rien prendre. Ça me dérange énormément. Voilà la garde. Ah bah voilà, ils ont réussi à trouver comment rentrer là-dedans, dans leur cage. On est bien ici, hein. Cette petite véranda, là. Techniquement, c'est un endroit couvert, hein, en plus. Il y a des murs partout, pour une fois. Sauf là, mais... Pour une fois, il y a tout partout. Tiens, d'ailleurs, je vais en profiter pour me libérer de la place. En bougeant les tableaux. Et de manière générale, la déco qui me gêne, je vais la balancer au milieu. Pour l'instant, on va piler un peu comme un sac. Ah non, on va leur laisser... On laisse ça. En niveau éclairage, on est bon. Hein. On est très bien même. Passerai au nombre max demain. Histoire que j'ai le nombre de clients exigé. 130 j'ai pris et la nouvelle recette. Il va nous falloir une nouvelle recette. Voilà. Et donc l'idée de dire c'est que la taverne n'est pas fermée. C'est-à-dire que en fait là ce sera ouvert. Donc en fait quand on est à l'extérieur, on est à l'intérieur aussi. Voilà. C'est une dinguerie. Ça fait plaisir. J'hésitais à laisser cet espace là ouvert du coup jusqu'au bout, mais. D'ailleurs, je vais faire tout de suite une chose. Même si je vois à peu près. Je vais juste tapisser la taille totale de l'auberge. Comme ça, il n'y a pas de problème. Et je crois que là-dessous, c'est un sol rigolo. Voilà, ils sont pas beaux mes barres d'ancage. Voilà. Hein? Il manque des ingrédients. Ah, excusez-moi. J'ai pas fait attention du tout. Oui, j'ai pas du tout fait attention. Je suis en train de moderniser les lieux et tout, mais... Là, on est fauché, là. Enfin, il est mollo, les Kaira, hein. On est limite à saturation. Putain, mais qu'est-ce que t'as bu? Ah ouais, Coco, mais bon, faut te calmer à un moment donné. Ouais, du fric, c'est bon. On est pas bien, là. Faut que j'aille là. Ouah, refit de la caisse, ça coûte trop cher. 48, et puis bah, mets ce que tu peux en viande. Terminé. Station, on est pauvres comme des cailloux. Oh, j'ai souffert. On a souffert, on a plus de budget. Grosse célébration à venir. Hein. Oh, 880, ça m'a coûté littéralement 897 d'entretien. Si on fait pas 2000 balles, on souffre. Hein. Ah ouais, là c'est la journée du chevalier, on va se régaler. Hein. ...80 personnes à servir. Ouh. Ça sent un peu le fric, hein. Pour ceux qui le sauraient pas. Hop là. Le nombre de clients par jour, c'est ok. C'est comme ça, vous êtes moins cher. Que dalle. Quoique, hein. 326 pour 8 ce coup-ci, c'est intéressant.
Ah oui, d'accord, on est arrivé sur des vraies sommes. Ok, je vois le délire. Mais par contre, 11 à 1600... les gars, je sais pas où je vous trouve l'argent, en fait. Je peux pas trouver le pognon, les gars. C'est pas que je veux pas, hein. Alors, ce barman d'élite, ça me stresse. Je peux pas virer mon barman, parce que dès que je vais débloquer le deuxième bar, je crois qu'en plus c'est la recherche actuelle. Non, c'est le chercheur. Il est où, le deuxième bar? On l'a déjà déverrouillé. On a l'étage. Ah bah oui, plus un bar. On a tout déverrouillé, donc c'est à moi de mettre un étage. C'est à moi de développer un étage supplémentaire. Pas de soucis, ça peut se faire. Après, avant, on peut mettre trois étages, donc ce serait bien qu'il y ait un deuxième étage Piccolina des Festoyades. Et un étage... pas Piccolina des Festoyades. Alors, tant qu'on y est, en fait, hein, les seules choses que je vais placer, c'est des sièges en plus pour avoir plus d'argent, c'est tout, en fait. Plus de pognon, hein. Plus de pognon, les gars. Non, mais... regarde-moi ça. Boum. Donc c'est juste plus de pognon. Si j'ai pas regardé sur les tables, il y a la petite tablinette là de coin à 800 balles. Au revoir. Au revoir. C'est pas que je vous aime pas, mais au revoir. Admettons, si je veux mettre des murs, ça peut se faire. 150 et une porte, c'est 100. Ça passe. Fenêtre. Voilà. On va bouger des choses. Oui, on verra ça après. Mur, 100 et 100 de porte. Porte d'abord. On est sûr qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'erreur au moins. Hop, hop, hop. Ah oui, non, par contre c'est moche. Ils vont se prendre la porte tout le temps dans la face, les deux gardiens. Ok. Ringoût supérieur. Prends des étoiles. Plein les yeux. La nouvelle recette est débloquée. Il ne restera plus qu'à préparer encore des fruits. 1200 balles. Allez. Et la nouvelle recherche. Stockage de barils. Qu'est-ce que c'est? L'entrepôt de provisions est utilisé pour remplir automatiquement tous les barils et les caisses de cuisine du même étage pendant la nuit. S'il n'y a pas de réserve à un étage, vous devez tout remplir manuellement. Ok. Et ça? Avoir l'info. Faire de l'hôtellerie. Ah, ça débloque un service slash argent supplémentaire. Et pour le coup, ça justifierait une caissière de plus. Va pour se lancer sur cette recherche. Maintenant, par contre, je sais pas du tout comment ça va marcher d'avoir les 300. 300. Eh, j'ai pas pu servir tout le monde. C'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon. Embaucher un chercheur. Parce qu'il n'a pas de bureau de recherche où il peut aller. Il est possible que le chemin soit bloqué ou que vous n'ayez pas de place libre. Intéressant. Vitesse en montant les escaliers. Mais je m'en fous des gens qui savent monter les escaliers. Ta mère. Jour suivant. Vous êtes 4, hein. Au boulot, au boulot, au boulot, au boulot, au boulot. Ça veut dire que là, potentiellement, j'ai débloqué là-dedans, dans les spéciaux, un bural. Oui, le bural à 200 balles. Bural de recherche, il va finir dans la cuisine, bien sûr. Voilà, ça va finir dans la cuisine. D'ailleurs, je leur ai mis un sol un peu réglementaire ici. Je pourrais pas leur mettre un truc un peu sympa. Un peu... Un peu moins spartiate, peut-être. Un peu plus comme ça, peut-être, je sais pas.
tout en lui donnant toujours une allure un peu guerrière et maçonnée. Ouais, ça me paraît bien. On va garder le très très carré pour la cuisine. Sûr. Dépenser 1900 boules en un jour. Ne servir que des soupes pendant toute la journée. Atteindre 4 étoiles avec n'importe quel aliment. M'emmerder, vraiment. Vraiment. Mais tout. Ouais. Ça m'a saoulé. Ça m'a casse saoulé. Carrément. On n'est pas large, hein. On est en négatif. D'accord. On est en négatif. clients par jour. Mais t'es malade. Je les rentre où, moi, mes 275 clients par jour? Je peux pas les rentrer. Genre, j'ai même pas la place, en fait. Genre, les gens, ils viennent, ils boivent, ils se cassent, quoi. Ça a l'air tenir en termes de place, hein. Dehors, il y a une queue de dingue pour de la bouffe. C'est l'usine. C'est une usine. Ça a l'air de tenir vite fait, hein, mais c'est compliqué, hein. Il n'y a plus une goutte de pognon. Ouais. Vas-y, hein, on claque en blé, hein. C'est 10 balles la pièce de viande. Voilà, à ce prix-là, je recharge mes pommes, hein. Je me remets à faire des petits déjeuners, hein, je te préviens, hein. J'ai balancé 1820. J'ai même pas dépensé assez d'argent aujourd'hui. Je savais pas que c'était possible. Et ta condition, donc, c'est de ne servir que... dépenser, préparer la corbeille de fruits 16 fois, atteindre 4 étoiles. Ne servir que des soupes. Que des soupes. Après, il y a un événement, il y a rien du tout. C'est juste l'événement des familles, le classico. Tiens, la célébration du steak. Vas-y, le steak, ma gueule. 240. Alors, si on augmente les prix, augmenter. Je suis d'accord. Fou. Moins de monde au secours, par pitié. C'est insup... Et il faut qu'on rentre de l'argent, parce que là... c'est impossible. C'est intenable comme situation. Le nombre a diminué plus que de raison. Qu'est-ce qu'on a qui peut s'améliorer? Rosaline, Lana. Heureux à 100%. J'ai envie de l'augmenter pour lui taper du pourboire en plus, mais... on va améliorer Lana. On garde Rosaline sous la main. Tout le monde donne son dollar à la boîte. Donnez tous une pièce à la boîte. Ah, faut qu'on améliore le garde aussi. Le garde, ça fait trop longtemps que je dis qu'il faut l'améliorer et c'est pas fait. Hop. Un mur. De là. On peut pas. On peut pas à cause de la bougie qui est là. Et on ne pourra pas la bouger tant que ça. Tant que ce truc là sera là. Oui, bah, approche-toi un pilier. Attends, je vais voir. Si je mets ça là, ici. Le garde là. Le garde ici.
ça là. On peut pas accrocher ça en hauteur. Ça c'est bien dommage. Je l'aurais bien accroché en hauteur. Au-dessus. Au-dessus des gars. Eh ben c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, mais bon c'est pas grave. Hop, construire un mur. Là à de là. Avec une fenêtre ici. Parfait. Impeccable. Maintenant la vraie question, si toi je te prends et que je te mets. Ah oui, superpose un autre, d'accord, je suis parfaitement d'accord avec toi. Je peux pas te mettre sur la fenêtre. Ah tu peux t'accrocher ici à chaque. C'est tendancieux, mais allons-y. J'en ai pas un deuxième comme ça qui traîne. Je pensais en avoir un deuxième qui traîne. J'en ai plus. Ah. Intéressant. Ok. C'est la terrasse des vrais gens. Et on ajoutera encore deux autres statues de fer. Il va se passer des choses. Hein. Toujours Hugo, blablabla, dépenser plus de 1900 balles en un jour. Bah, j'ai toujours pas dépensé 1900 balles en une journée. Là. Tu te fous de moi. Ah, c'est parce que c'est le max et que je sais pas encore atteint son max. C'est-à-dire que j'ai pas pu dépenser plus que d'habitude là. Je suis un peu déçu. J'ai envie de tomber les murs là. Bon, on va pas tomber les murs pour l'instant si on n'a pas besoin de les tomber. On est éclairé au lustre, hein. C'est quand même la classe ici. Hein. J'ai dépensé combien? Servir que de la soupe, c'est bon. 1142. Eh ben, on n'y est pas. Peut-être falloir retenir les dépenses pendant un moment. Demain, c'est une fête. Ça, c'est pas mal. Est-ce que là, on a fait le plein? Les cuisiniers, ils ont pas besoin de plus normalement. C'est fait. Tous les pleins sont faits. Jour suivant. Jour suivant, je regarde ce que je peux faire de cette table. Voilà, c'est comme ça rentrera pas en fait. Je suis obligé d'aller caler genre ça comme ça, tu vois. Mmh. Mais je sais pas si ça marche, et pour savoir si ça marche, bah il faut que j'essaye. Ok. Pas le voleur. J'aime pas très beaucoup ça, faire regresser n'importe quel employé. Let's go. Rosaline ou... Ah, notre barman, bien sûr. Bah, trop plus fast, hein. Bon, il sert des verres d'eau, quoi. Des verres d'eau à combien tu sers? À 5 pièces d'or? C'est vrai que bon. 10 comme ça, on peut se le permettre. 10 comme ça, c'est ok. Voilà. J'ai reopen, j'ai réouvert la carte. Non, j'ai pas réouvert la carte. Je réouvre la carte. Bien sûr. Non, pas ça. Les événements. Celui-là est déjà en cours. Celui-là est déjà programmé. On n'a pas les noirs, même si ça me les pète. 30 jambons, mon connard. Hein. 30 jambons, mon con. 30 jambons, il va falloir que je renvoie ces crétins. Hein. 10 jambons à 600 balles. Hein. Le jambon, ça coûte cher. Hein. Voilà, je renvoie toute l'équipée à ce prix-là.
À ce prix-là, on a envie de dire débarrassez-moi le plancher. On gagne plus d'argent? C'est fini? Je vais t'en pause. Vous passez votre niveau quand hein, à 8000. C'est tentant. Hein. C'est très tentant. Avec cet événement, on n'a rien gagné du tout. Genre, rien. Genre, je vais débiter les salaires à la fin de la journée. On est à Néant et Dertal. Les mecs, ils ont rien bouffé. Ils ont tous bu de l'eau, ces clochards. Vous pouvez vous payer que de l'eau à 5 pièces d'or. Vraiment, vous dégoûtez. Hein. Bah tant pis. La vie coûte trop cher. Et on commence, on est déjà en négatif. Non mais c'est terrible. Ce que l'on vit et que l'on traverse est terrible, sachez-le. Ça s'accroche forcément sur un pilier. Bonne question. Non, ça je peux pas le mettre ailleurs que sur un pilier. Non, c'est forcément sur un pilier. Parce que ça aurait été stylé aussi, genre... armoirie guerrière. Ouais, c'est censé être cette couleur-là. C'est pas censé être rouge. Ok. Je le vois rouge, mais c'est pas censé être rouge. Je le vois sacrément rouge, par contre. Hein. Ça a viré au rouge parce que j'ai cliqué sur des trucs genre en disant « Ouais, je veux que ce soit rouge et tout, ou... » Bon. Rien, dépenser 1009, bah ouais, mais 1009, on va pas les dépenser, hein, garçon. Parce qu'on les a pas, en fait, c'est pas qu'on veut pas, mais... regarde, 128 de claquer. Et 84, voilà. C'était mes dépenses de la journée, et on se rend négatif à la fin. C'est terrible, hein, c'est terrible ce que l'on vit, hein. Pourtant, 115 clients, quand même, hein. Donc, on brasse un peu de monde, alors j'ai fait... Alors, d'ailleurs, tiens, bonne nouvelle, eux, ils arrivent à s'installer ici. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on peut aller claquer un tapis là-dessous. C'est là, c'est ça, c'est la table des chefs guerriers, la table des compagnons. Donc là, les maîtres, les compagnons, les apprentis. Tape des zaps. Vas-y, tire-toi, toi. Tire-toi, toi. Casse-toi, j'aimerais remettre... Voilà, merci. J'ai l'impression que les filles sont débordées. Et je comprends pas comment elles sont débordées alors que là je viens de les augmenter à 4, il y a moins de clients et ça déborde toujours. J'ai pas toutes les infos. Pour l'instant j'aimerais juste mettre ça comme ça. Et voir plus loin ce qu'on pourrait en faire. Il faudrait que je mette une torche là. Mais pour l'instant c'est pas d'actualité. Pour l'instant financièrement on essaie de survivre. 900 balles qui ont disparu. Ce sera une petite fête du peuple, hein, la plus classique. Hein. Les gens viendront boire des verres d'eau. Hein. J'ai pas les moyens de me permettre autre chose.
J'ai toujours pas atteint mon objectif de préparation de corbeille de fruits. Non, toujours pas. Mais un jour, on l'atteindra. C'est comme les 4 étoiles. Comme les 250 litres de n'importe quelle boisson. Pour l'instant, on n'est pas pressé. On est plutôt plein. On est plutôt bien. C'est à se demander si d'ailleurs je ne devrais pas en profiter pour améliorer le garde, Léopold. Léopold, lui passer une épée à 600. En même temps, je pense pas qu'ils soient en risque élevé. Enfin, pour l'instant, je pense même pas qu'on soit en moyen, en vrai. Je vais garder Léopold comme ça. Léopold le vieux. Je crois que c'est un vieux. Le cuisinier, ça me passe assez vite, vous vous foutez de moi? Trois serveuses, ça envoie pas assez, vous êtes sérieux? Ça envoie pas assez! Ça y va pas assez vite! C'est une blague! Rosaline, tu montes de niveau. Transporte plus vite, si je te dise de plus. Tout le monde a l'air super heureux hein, de travailler ici. On va pas se gêner donc, on va raboter un peu les salaires. On a été très très généreux au début. Il est grand temps pour nous de rentrer un peu de cash. Vous servez plus les gens. Il y en a combien là? 1, 2, 3, 4. Il y en a 1, 2, 3, 4. 4 qui n'ont pas été servis. Et vous avez même pas fini de clean les tables? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est moi qui ai fait une boulette quelque part ou bien? Je comprends pas. Je vois pas où est la boulette. Aucun d'entre vous ne sert le premier. Y'a rien au premier, y'a rien. Y'a tout du personnel de l'étage 0, premièrement. 2000 balles, là il faudrait que je dépense les 2000. Ainsi soit-il. Je vais dépenser les 2000. C'est une table 4 places, hein. Petite table de luxe, 4 par 4. Ouais, 4 par 4 certes, mais je peux mettre combien? 4 clodos autour? Je suppute que c'est ça. Hop, il me faut une autre table. Rajouter de la place. Je pense que ça glisse. Hein. J'ai déplacé mes 1009. Ne servir que des plats principaux toute la journée. Oh la lourdeur. Pff, les objectifs sont lourds hein, des fois. Hein. Ah ouais, mais ça va être compliqué de servir que des plats principaux. Les gars, ils mangent de la soupe. C'est la journée du Saint Raptor Chevalier. Moins 900. Non, j'ai vu l'argent. J'ai eu mal. Hein. Là, le problème, c'est que je sais même pas comment abaisser les coûts pour survivre. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça. C'est genre, faut baisser les coûts. Parce que ça devient hors de prix. Ça coûte 900 balles pour à peine toucher 2000 balles par... Si je fais pas des événements comme ça, en fait, ça tient pas, quoi. Et là, normalement, j'ai plus de capacité qu'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 fois 4, 40. Pour entrer 40,
Et lui me dit 44 d'ailleurs. Comment t'as rentré 44 là-dedans toi? Ah oui, parce que ils ont... Oui, 1, 2, 3, ok. Ouais, j'ai quasiment l'équivalent d'une table en plus, donc ouais. Toutes mes tables sont occupées, c'est 44 personnes au total, hein, dans l'auberge. Hein. C'est pas mal, hein, normalement. C'est raisonnable, hein. J'ai même envie de devenir encore plus fou, hein. Regardez-moi ça ici, vous. Ça marche, le petit siège comme ça? C'est rigolo de ouf, mais par contre, ça prend une place de cinglé. Et ça? Ben, on va forcément foutre des bancs, hein, parce que vous me donnez pas trop le choix, en fait. Genre, je voudrais mettre autre chose que des bancs dégueulasses, bah je peux pas. Voilà, on passe à 88 personnes servies. Enfin, 48, excusez-moi, personnes servies. Il faut que j'en serve 80. Comment j'en sers 80? J'ai les pintes sur la table, je peux même plus rien faire. Au secours. Allez, faut envoyer les pintes. J'ai servi personne. C'est un scandale. J'ai servi quoi? 49. 49 personnes servies. 50. Et on va fermer, en fait. En fait, il y a encore des pintes sur le comptoir, là, qui doivent y aller. Et les mecs, ils sont en train de se barrer. 54 personnes servies. Je sais pas d'où ils sortent les derniers, là. On peut même pas vider les tables. C'est l'overdose. Voilà. Lui, devant sa pinte, là. Tout seul, sous le cul. J'ai pas réussi à servir les 80 personnes. Donc j'ai même pas la capacité de service. Alors que... J'ai 3 serveuses. Ouais, j'ai pas la place en fait pour remplir mes événements, c'est ça que je veux dire, excusez-moi. Je vais y arriver. Donc là, il y a clairement des choses qu'il faut faire. Hein. Là, hop, ça faut que ça vienne ici. Il est temps d'agrandir la maison. Hein. Il est grand temps d'agrandir la maison. Je vais mettre ici pour l'instant. Je vais mettre des murs pleins par là. Pas de fenêtre. Voilà. C'est le truc des mages. Ça sent le mur pour avant. Hein. C'est moche. C'est ultra moche. Je sais pas pourquoi le jeu propose ça, tellement c'est moche. Moi j'ai envie de rappeler une touche de l'extérieur. Hein. On va se mettre ça comme ça. Into ça. Oula. Mes murs sont partis en vrai. J'ai plus assez d'argent pour cette action. Très bien. Les murs coûtent si cher. En fait, même pas, en fait, il coûte 50 balles, mais 50 balles à ce niveau-là, c'est une blindasse. Hein. 250 litres de n'importe quoi. Ah, 1250, quel plaisir. Ouh. Bah, on va tirer tous nos murs. Hein. Nos murs ont été tirés. Maintenant, on va démolir tout ce qu'on peut démolir. On va démolir ça. Celui-là, je vais pas pouvoir parce qu'il y a un truc accroché dessus. Non. Maintenant, c'est bon, je peux le péter. Lui, je peux pas non plus, il y a des trucs accrochés dessus. C'est vraiment tout à l'arrache, mais on travaille à l'amélioration du site. Hein. Faut tout redéplacer. Hein. Ça, je sais pas, tire-moi ça par ici. Ça c'est pas mal. Je suppose que même si je te décale pour essayer de t'aligner, ça s'alignera pas. Ça ne s'alignera pas.
Donc on est derrière notre barman. Derrière notre barman, un mur plein. Deux murs pleins. Trois murs pleins. Une porte. Non. Une porte, on sait jamais. Comme ça, on ne sait jamais. Des godets. Oui. Ton tableau irlandais. Bien sûr, je te le rends. Mon ami, mon frère. Voici ton tableau. C'est le tien. C'est celui de personne d'autre. Ne laisse personne te dire le contraire. Il est à toi. Plus de shop. Je peux pas, c'est en train de... Ok, et là ça va glitcher dedans. C'est nul. Dommage. Je m'ai regardé, il m'a dit c'est nul en fait. Porte-manteau. C'est rigolo, je le valide. Notre aubergiste, il a pas de... Il n'a pas d'éclairage spécifique. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ah, c'est celui de notre cuisinier, incroyable. Le truc de cuisinier, qu'est-ce que c'est ça ? Ah, c'est pour mettre devant. Oh, la classe. Ah ouais, non, c'est totalement ce qu'il nous faut. Hein. Je me trompe dans les touches, c'est terrible. R pour monter, F pour redescendre. Ah ouais, il nous faut 500 billets. Hein. Bah, on les a pas. C'est bien dommage. Là, pour le coup, il y avait un vrai swag. Hein. Et ça, sorcière. Okay. Ouais. Bon, à cet étage, je suis pas sûr. Hein. Je suis pas convaincu. Pas cet étage. Pas cet étage. Voilà. On a complété un peu la guilde des guerriers. J'ai pas une table de plus, mais bon, tant pis. C'est déjà ça. On a un peu de fun, on a un peu de folklore. Et voilà. Oh là là, on est passé à 950 balles de charge. Hein. Comment va mon personnel ? Talbot, ça va, on peut pas le descendre plus bas en salaire. Bon, les gars, faut participer, là. Hein. Je suis à 477 de charge. Comment ça se fait que je paye le double? Je comprends pas tout. Ah oui, j'ai oublié de remettre une porte par là. Ah non, il fallait que je supprime ce mur. Voilà. Ça, on gagne un temps fou. Passez où vous voulez, hein. M'empête, passez où vous voulez. L'objectif c'est que la cuisine soit au milieu là, entre ces deux zones là. Tac 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 tac. Et ça on en a plus besoin ici là. Hop là, viens moi ça. Ça l'objectif c'est que ça vienne plutôt par ici quoi. Enfin, à la limite, pivote moi ça pour le mettre par là tiens. Voilà. La place de mettre une table. La table de la loose. Le gars il est juste là tout seul. Avec juste un siège. Il regarde la fenêtre. Trop puni. Est-ce qu'on a... Oui, il se passe rien ici. Hein. Oui, je peux pas récupérer Hugo, on a compris. Est-ce que l'autre table est plus petite? Genre celle-là. Ah! On pourrait presque mettre deux gars dessus. Le problème, c'est que tous les sièges, une place, prennent du deux, quoi. Ils prennent quasiment la place d'un banc, en fait. Voir la place d'un banc, d'ailleurs, je sais même plus. Je crois que c'est même la place d'un banc, d'ailleurs. On a 138 clients, quand même. Ça, on arrive à brasser un peu. Hein. La question, c'est ce qu'on arrive à suivre la cadence. Les tables n'ont pas l'air de surcharger, bien que à certains endroits ça surcharge un peu. Enfin, mais il y en a, ils boivent des verres d'eau. Ils se foutent de la gueule de qui? Les gens, s'il te plaît, ils boivent des verres d'eau. On est à l'eau, quoi.
Mon bar, ils boivent de l'eau. Heureusement que le verre d'eau, il a 6$ pièce. Hein. On a plus de fêtes prévues, à part des fêtes de clochards, c'est ça. Super. Hein. On est des clodos. J'aurais bien organisé cette petite teuf là, hein, surtout que je peux le faire, hein, mais j'en ai 21, il m'en faut 9 de plus. Faut que je paye une escadrille. À 9 de plus pour la lancer, et littéralement ils vont me chercher 9 jambons. Un fromage 500 balles, je les ai pas de toute façon. Allez au boulot les gars. C'est pour te faire, hein. C'est pour te faire, hein. C'est pas pour faire n'importe quoi. Hein. Ok, j'ai servi que des plats principaux. Vous voyez presque. Henry, un autre cuisinier. Encore un Henry? Deux fois que je touche un Henry. T'as que des Henry en fait dans ton... Kathleen. Adéric. Okay. Et encore des petites variantes qu'on n'a pas. Okay. Vous savez, c'est stylé le bar comme ça. Hein. Alors on va essayer de s'ajouter avant de se retrouver dans le noir négatif le plus complet. Bam. Dessus de porte ici. L'idée c'est que mes cuisiniers soient là. Et en fait ça j'aime bien le fait que ce soit dans l'angle. Mais j'ai peur que ce soit un peu à chier. Est-ce qu'on devrait vraiment dire ça, genre à chier? Et est-ce que cette porte ne devrait pas plutôt être comme ça, puisque finalement la cuisine n'est-elle pas assez grande? Moi je pense que la cuisine est assez grande. Je pense qu'une petite réorga de la cuisine là. Juste une réorga, hein. Vous allez voir une petite réorganisation là. Tac tac. De toute façon les filles elles viennent et réclament Zizi. Ok. À partir de là, y a plus de problème. Hop, la caisse juste derrière. Les assiettes. Pas besoin d'être très loin. J'aurais pour être là. Attention, vraiment quand je dis une réorga, hein, ça réorga. Hein. Ça réorga fort. Ah, je vous enferme si je fais ça. Hein. Alors, si je fais ça, on va essayer de garder l'idée de ce truc-là, là. Ok. Maintenant. Ça, faudrait que ça bouge par là. Leur cuisine, elle est là. Donc à partir de là... est-ce que... Voilà, un petit grill... Hein? Je chevauche un chandelier... Mais t'es sérieux? Même le chandelier me casse les noix. Voilà. C'est ça, le grill bien au milieu. Petite déco de cuistot, là. Ça par contre ça pose aucun problème, le mec va se le prendre dans la face, mais ça ne pose aucun problème. Juste au-dessus des seaux, parfait. Les seaux qu'on va redécaler un peu pour être sûr que tout le monde puisse y accéder. Voilà, ça suffira largement. Tac. Bon, je suis d'accord avec le concept même. Est-ce que tu touches l'angle de mur? Ça glitchouille dedans. C'est pas, c'est vilain. Ça jure, comme on dit dans le milieu. De l'eau, de la soupe, des épices. En fait, l'eau, la soupe, tout ça, tout est trop loin. Ça me pose problème. Donc toi, si tu vas dégager plutôt par là. Hop. Je sais pas du tout s'il peut y accéder à ces chaudrons.
Mais ce serait incroyable si c'était le cas. Bon, ça va glitcher un peu avec le mur, je crois. Bon, ça va encore. Voilà. C'est pas mal. On est sur une petite cuisine ouverte. C'est un peu aérien comme style. Vraiment, ça respire. Les herbes sèches juste au-dessus de l'humidité. C'est bon pour vous. Parce que pour moi, c'est bon. La tête dans les herbes, la tête dans la weed. C'est la cuisine, mais compacte. Genre, c'est le grill qui prend le plus de place. Et je vais placer... Ah bah du coup, je peux pas placer le chandelier, puisque... Ouais. Parce que tu vas être au-dessus de ce que je... Putain, t'es sérieux, même là, t'es au-dessus. Comment ça m'emmerde, ce grill, hein. Gentiment, mais poliment, mais sûrement. Hein. Voilà. Je laisse pas les noix. Et... Ouais, si je te déplace trop loin... La cuisine est du coup trop grande. Je pourrais la compacter encore plus. Rendez-vous compte. Si, si, rendez-vous compte, hein. Je pourrais la compacter encore plus. Alors, on va pas se gêner, on va compacter. On rebougera ce mur, tant pis, hein. Ça nous recoûtera un peu de pognon, mais... Ça veut dire qu'on laisse plus de place pour des tables clients ou ce genre de choses. Bon. Parce que finalement, les filles, elles ont juste besoin d'accéder à ça. Lui, temporairement, on va le laisser comme ça. D'accord. Chandelier, pour l'instant, il va se tirer loin. Loin de tout. Vous êtes éclairé par une bougie. Ah ouais, mais quelle bougie aussi. Hein. Quelle bougie, les gars. J'ai envie de le mettre là. Ah, ça glisse dedans, ça jure. Hein. C'est vilain, c'est pas beau. Hop. Comme ça. Je sais même pas si on peut accéder à l'eau ou pas comme ça, donc pourquoi pas. Des petits chaudrons à côté. Du plus bel effet. Regardez, des chaudrons dînés. Quelque chose, hein. Alors du coup, ça veut dire que si j'enlève un mur, on est là, hein. Oh, ah oui, il y a un mec qui gêne, casse-toi. Ça veut dire qu'on est genre plus par là, hein. Non, j'abuse un peu. On est là. Ouais, c'est ça que ça veut dire. 60 balles, je peux te piquer un mur, juste un... Ça, je sais où j'en suis. Ok. Ça veut dire que ça, hop, ça, c'est là-bas. Ça, pour l'instant, casse-toi. Je le remettrai là-bas, à l'occasion. Ça veut dire que toi, tu es ici. Ça veut dire que toi, tu es par là. Hop. Regardez toute la place de ouf qu'ils ont, là. Ils ont de place, mais je suis jaloux. Genre, un Parisien est jaloux, hein. De autant de place là, ça frôle l'indécence. Franchement, waouh. Ah ouais, l'indécence quoi. Non, c'est pas possible. Tant de place. Waouh. Les gens vont m'accuser de faire de la magie noire. Hein. Oh, la place de Fada. Le ding. Oh, le ding. Mais t'y es fou, hein. Pouah, l'éclairage aussi, hein. L'éclairage de malade. De jeu bar, comme on dit dans le milieu, bien sûr. Hein. Waouh. Imaginez toute la place qui reste ici. Hein. Pouah. Quoi ça? C'est un magasin? Hein? Oh là, il se passe des dingueries. Qu'est-ce que c'est ça? Pas de magasin comme ça, moi. Oh, c'est une malle plus.
Oh, c'est une turbo malle, c'est-à-dire c'est 7 boîtes. Mais en mieux. Oh, on peut level up le stuff, va falloir y penser. Il va falloir prendre le temps d'y penser, visiblement. Incroyable. Oh, mais moi j'avais pas prévu là, autant de autant d'éléments de gameplay d'un coup. J'étais pas prêt. Hein. Et donc là, ça veut donc dire que mon bar, il est là en fait. C'est ouf ou pas? Moi je trouve ça incroyable. Je dirais même un bullybable. Bubibabeloula. Bubibablous. Je me permets de laisser des seaux d'eau dégueulasses juste là. Avant que toute la taverne ne brûle, hein, bien sûr. On a même commencé à avoir des tables plus plus, hein. Vraiment. Hein. La dinguerie. La dinguerie. Ben, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Je pense que pour l'instant on peut garder ça. Alors si on va se faire un plaisir, on va se ramener un lustre ici. Hein, pour l'instant, il n'y a rien de plus à faire avec. Autant éclairer là où l'on travaille avec. Oui, je peux pas récupérer Henry, you know. Tu vas me mettre sur Henry à chaque fois. Tu vas me mettre sur Henry à chaque fois. Yes. Jour suivant. Zlé. Couteau de cuisine. Peur qu'il y ait presque plus d'eau. Ok. J'ai réussi à me défendre contre le voleur. Quels sont les objectifs du jour? Servez 100 clients rares. Bah, ça va pour tout de suite, hein, je crois. Hein. Si. Non, ça c'est le menu. Fête ordinaire, c'est pas tout de suite. Moins 940, on a eu pour 952 balles, mais d'où ils les sortent les 950? Genre... Quand je regarde le coût de ma vie, salaire 377, cire et huile 375, 200 balles de musicien, c'est terminé. Hein. C'est terminé. Divise le budget par deux. Deux clodo, ça me suffira. C'est quoi deux clodo finalement? Pourquoi faire deux clodo? J'arrive pas à servir tout le monde, un crétin suffira. On va économiser sur le budget. La cire, alors comme ça le cirage me coûte 375 boules. Eh ben on passe à une chance sur 3 que ça crame, je veux pas le savoir. Tu sais quoi? Moi je vais même économiser mes chances que ça tourne mal. Hop! Vendu. Il y a un risque. Ouais ouais. J'ai entendu. On m'a raconté ça, ouais. On m'a raconté ça. On m'a dit, ouais, mec, il y a un risque. Mais je pense que c'est les lanternes dehors qui commencent à coûter cher. On est toujours au-dessus de combien, là, en risque? Il faut que je clique sur un truc pour savoir. On est à 34, ah oui, ça servit à rien que je vende le lustre. Hein. On n'a même pas gagné 2%. Par contre, le but, juste pour savoir, il est tombé à combien? Attends, je peux pas le voir là. Du coup, on était à 375. On descend à 210. Donc si on a un dégât de 50 balles par jour, on gagne de l'argent. C'est tout ce que j'ai retenu. On est en mauvaise qualité. Qualité modérée. Et en mauvaise cam, 51. What? Là, une chance sur deux. Certes, on économise beaucoup de l'argent, mais on cherche la merde. Hein. Très clairement. Il va nous falloir aussi, dans les plus brefs délais, un escalier. Vraiment. Genre, dans les plus brefs délais. Genre un esca, ça doit être dans les specials. C'est quoi, c'est parce que j'ai deux escaliers différents, c'est juste parce que j'ai droit à deux étages. 8 par 10. Escalier large. Genre, monseigneur, quoi. Monseigneur, voici un escalier. Ouais, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Hein. Moi, j'ai envie de le placer genre un peu comme ça, un peu... Genre, as-tu vu ma belle quenouille comme ça, là? En face de ce truc, là.
Il est beau. Ou il est beau, mon polo. Je peux aller voir l'étage du dessus. On peut aller voir l'étage du dessus. Ah, fin de journée. Total des clés en colère, non, 0. Total négatif, 1000. On en a encore pour la moitié de notre pognon. Cire du... Pourquoi on en a encore pour 375? Je croyais que j'allais changer de cire. Je pensais à 210. Qu'est-ce qu'ils me font? Le jeu essaie de me truander. Secours, je me fais voler. On a pas... Pourtant on n'a pas tant de bougies que ça non plus hein. J'ai presque envie de te virer toi là. Faire baisser le risque. ...140 balles. On a une bougie pour toute la cuisine. Le risque est de 32,7%, moins d'une chance sur 3. Oui, comment je fais par contre pour accéder à l'étage? Ah voilà, commencer à faire des murs là-haut pour avoir l'étage. Ok, ça marche. J'ai la ref. Très bien. Hop. Est-ce que finalement je veux pas ajouter un mur ici moi? Ça, je fais mur-mur. Ça coupe un peu. Faire un mur? Ah non, je peux pas, il y a une... ok, il y a une bougie qui me casse les doigts. Voilà. Il y a plus de bougie qui m'embête. Hop. Ok. Non, ça. Le mur plein, ici. Parfait. Tu peux donc, mon vieil ami, récupérer ton tableau. Personnel. Le sien, lui, tout seul. Les cuisines plongées dans le noir. De mes cuisiniers, pourtant, qui nagent dans le bonheur, évidemment. Voilà. Je suis pas sûr que rajouter des seaux et tout ça, ça fait baisser le risque. Sinon, j'en aurais bien ajouté. Hein. Ouais, sinon, je vends ça, là. Il faut encore baisser le risque. Hein. Juste pour savoir, là, on est à combien ? 30%. Je vendais tout. Tant qu'on n'aura pas de... En noir? D'accord, j'ai un dit. Non, vend. 105. Normalement, le risque chute. Non. Le risque a chuté. 28,5%. Très bien. On est en dessous d'une chance sur 3 que ça crame, on est presque même plus près d'une chance sur 4 qu'une chance sur 3. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est acceptable, c'est même, j'ai envie de dire, accepté. Hein. Ensuite, nous avons un peu d'argent, certes. Ça veut pas dire qu'il faut en faire n'importe quoi. On va déplacer ça par ici. Par exemple. Hein, si on pouvait inverser les deux, ce serait parfait. Genre la Joconde, ramène-toi par, je sais rien, par là par exemple. Toi, je sais pas, va ici là. Toi par là. Toi par là. Toi comme ça. En même temps, est-ce qu'on a envie de te mettre là? Alors que... Ça glitch là, ça contre le mur ou pas? Alors que potentiellement on pourrait mettre deux... deux porte-manteaux. Alors, hop. Viens par là, par exemple. Une bibliothèque, dommage, tant que j'ai du budget. Hop là. Donc en bibliothèque, bien sûr. Vous avez vu comment c'est beau. Hein. C'est bien rangé, hein. Dégueulasse au milieu. J'ai bien compris. On va peut-être même se faire un petit quartier des feuilles. Vous verrez, ça sera peut-être pas mal. Mais peut-être plus dans les hauteurs. Genre une autre véranda.
qui serait un peu le quartier des feuilles. Ce serait joli. Ah ouais, les armes pour la guilde des guerriers. Les gars, pensez à poser vos flingues. Trop bourrin. Je suis obligé de faire ça. Je voulais faire autre chose, mais j'étais obligé de faire ça. Tac. Je superpose un autre élément, effectivement. Donc il faut que je décale cet élément. Et que je mette celui-ci, ici. Voilà. Des porte-manteaux. Voilà. Moins 500. Ah! Financièrement, ça va mieux. Info, tous les clients de cet événement ont été servis. Ah, direct! Ah oui, j'ai pu asseoir 40 personnes. Tout va bien. Ah ouais, dès que j'arrive à asseoir les 40, on est bon, quoi. Parfait. En plus, c'est un événement où vendre l'eau. En vrai, c'est un bon événement. Parce que, on fait généralement pas forcément beaucoup d'argent. Mais en fait, on vend de l'eau. Voilà, je vends de l'eau à... Combien ? 6 balles pièces. 5 balles pièces ? 5 balles pièces. C'est un peu gratuit. Comme c'est écrit dessus, quoi. Voilà. Ah, puis c'est vraiment juste je vends de l'eau, quoi. C'est, je viens, je vends de l'eau. Ah, des limonades, hein, j'ai vendu des limonades. Attends, par contre, l'efficacité de ce barman, hein. Je sais pas ce qu'il vaut le légendaire, mais alors lui, y a rien qui l'arrête, hein. Oh, rien qui l'arrête. Instoppable, type. 1, 2, 3, 4. Je sais pas si j'ai une place de plus pour une serveuse. Parce que j'ai du mal à évacuer les verres un peu. C'est ça, hein, j'ai du mal à évacuer les verres. Hein. Voilà, la limonade, elle a pris une tuile. Hein. Let's go. Hein. Rempli, bro. Et j'ai pas encore pris hydromel et compagnie. Hein. Alors oui, dans mes objets, il y a quoi? Préparer des corbeilles de fruits, 10 sur 16. Je devrais faire plus que ça, en fait. Genre, corbeilles de fruits. Rien de tout ça. Et rien de ça. Voilà. Du jambon fumé. Pour 30 jambons. Pauvre fou. Ah non, pas ça. 30 jambons. Il est plus nul. 189, je les ai pas. Et tout le monde s'en va. Et je les ai pas. Let's go. Est-ce que vous arrivez à évacuer tous les verres avant que les chevaliers s'en aillent? Ouais, mais c'est un peu limite, hein, pour le coup. Je peux embaucher une serveuse de plus. Talbor, oh, Talbor, il prend un niveau. Le monstre. Le monstre. Faut mettre la main à la pâte, hein. Faut participer, les copains. On souffre, hein. Financièrement. Vous savez, le monde va mal. Commençons une nouvelle journée. Ah, on est en positif. C'est une bonne nouvelle. Je propose de se refaire une petite teuf entre amis à l'ancienne. Et franchement, les petites teufs à l'ancienne, les gars, c'est quand même cool. C'est bien, les chevaliers légendaires, tout ça, machin. Mais quand même, les petites teufs entre amis. Moi je dis, c'est vrai que ça fait longtemps quand même. Petite teuf entre potes. Ouais, un petit bon. Petit bon, 50 balles, j'ai pas. C'est dommage qu'on peut pas rester dans le menu construction en remettant en lecture, genre j'appuie sur espace, ça repart pas non plus, c'est un peu dommage. Ah, étage 1. Il se passe rien là. D'ailleurs, ça me coûte combien un nouveau bar? 200 billets. Je peux rien mettre parce qu'il n'y a pas de sol.
Texture sol. Ah ouais, on va avoir un problème. On a un problème. On a un problème d'escalier. C'est chiant. C'est chiant, ça nique le design de mon Esca. Il ne supporte aucun accessoire. Connard. Ah, ça a été taillé dedans. Ah, donc ça marche. Ok. Et ça marche à quel point hop, si je fais... construire des murs, des machins, genre... Là, si je mets une jolie rambarde. Non, ça marche pas parce qu'on est hors case. Ok, faut que je redescende d'un étage, s'il vous plaît. Hop. On est obligé de le placer comme ça. Ah non, même pas, je suis obligé de le placer comme ça. Oh, j'aime pas son placement. Hein. Ouais, comme ça encore, c'est acceptable. Allez, comme ça, c'est acceptable. Étage du dessus. Ok. Hop. Si je ferme tout. Ok, ça fait un trou comme ça dedans. Ah, mais cet escalier est trop gros et ça fait forcément... C'est pas possible, c'est de la merde. Excusez-moi, mais... Merde, du coup, l'escalier est pas large. De claquer mes thunes. Et il fait la même longueur, donc forcément je vais avoir le même problème. Il est un peu moins large en termes de taille, mais ça ne change absolument rien. Donc lui prend des cases en moins, mais bon, on va tester, hein. je vais le poser. Voilà. Maintenant si je vais aller à l'étage, c'est le même bordel. À chier. Ok. Bon, par contre, ça veut dire que je peux le replacer comme il était. Hop. Voilà. Il est replacé comme il était. Mais c'est nul à chier. C'est vraiment de la merde. Le comptoir. Hop, un comptoir de plus. Spécial, voilà. Tac, étage du dessus. Ah, il y avait lui aussi. En colimaçon. Peut-être moins chiant pour le coup. Mais moins classe aussi. Mais moins chiant. On va essayer tout de suite. Hein. Je vais dépenser tout mon fric juste pour tester les escaliers. Vas-y. Hop, tac. Ça peut se caler dans un coin, mais pareil, en termes de barrière, ce sera inencadrable. Voilà, c'est con. C'est con. 1, 2, 1, 2, à la limite, c'est presque plus encadrable que le reste. Je vais devoir mettre un colimaçon, parce que tous les autres, c'est nul. Moi. Hop. Je vais mettre le colimaçon. Mon joli colimaçon. Des comptoirs, hein, ici, je pense. Hein, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Hop. Construire. À l'étage du dessus. Ah non, il aurait fallu que je le repousse encore. Ou je le tourne dans l'autre sens. Ouais, c'est ça. Il faut que je... Oh non, attendez. Hop, on redescend. Hop. Voilà. Étage du dessus. Il faut que je fasse un truc genre...
comme ça. Ou tout genre comme ça pour le style. Et je peux même pas faire un demi, une demi-rambarde ici pour vous dire bah vous cassez pas la gueule en fait. Ma réponse si, cassez-vous la tronche. Et saoulez pas le monde. Voilà. Bah je... Ok. C'est dommage, hein. C'est vilain. C'est vilain. T'es moche. Je suis dégoûté. Je suis déçu. Je suis choqué. Hey, encore un plat de fruits, on est bon. Je suis choqué par ce que j'ai vu. Hop. Tiens, va pas faire de lumière là-bas. Quelle idée de con. Parfait. Mon tapis de mage là. Hop, je le reprends. Tac. Allô? Mais laisse-moi l'attraper. Ah, c'est parce que. Pas dans le même outil de construction. J'ai mis des mages juste derrière des guerriers. C'est pas du tout les embrouilles. J'en ai une deuxième normalement. Yes. Je peux mettre que deux personnes autour. Intéressant. Jardin. Il y aura pas de jardin. J'ai pas de place dans le jeu. T'as cru que j'allais mettre un jardin. Il est fou, lui. Non, ça c'est pas mal. Alors, à première vue, il y a une histoire de... Les choses ont un niveau. C'est quoi ça? Ok. Calmez-vous. C'est un niveau, ça? Ah oui, c'est un niveau, ces trucs-là. Vous devez effectuer des recherches supplémentaires pour l'améliorer. Boum. Plus de recherches. 600 balles. Ok. Bah 600. On tourne à 600. Pas tout de suite. On est toujours sur l'événement. L'eau a l'air de bien partir, ça a l'air d'être le cas. Ah non. On est sur une soirée normale. Au calme et à la cool, comme on dit. Cet événement quoi? Est déjà programmé. Ah oui. Ok. Et ben programmons celle-ci. On n'est pas débloqué toutes les boissons requises. À la boutique du bar, il y a débloqué l'hydromel. Ah, il faut que j'aille... ok, il faut que j'achète l'hydromel. Très bien. Eh bien, nous irons acheter l'hydromel à l'occasion. D'ailleurs, le plancher n'est pas le bon, là, ici. C'est mieux ça. C'est mieux, hein. Pour l'instant. Hein. Je dis pas que c'est forcément le bois qu'on va garder. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on garde. Revenu total, tatata, on est à moins 30. On solde à moins 30. Voilà. Commencer le jour suivant. Nouvelle recette débloquée. Impeccable. On peut stocker plus de matos là-dedans, c'est ça? Ouais. Ok, donc on peut refaire... Après, on peut faire des plus gros stuff. Ok, c'est bien ça. Par contre, tu vas me regarnir ça tout de suite. Donc là, faut qu'on fasse... 1005. 1550, d'ailleurs on passe bientôt les 10 000, ça change quelque chose pour vous les 10 000? Non, vous c'est 12 000. Les mecs s'en foutent. On dit, hey, 10 000 les gars! Va chier. Ah bon. Je les enverrai bien chercher quelque chose quand même. Hein. Genre au moins un petit fromage quoi, vite fait. Des champignons. Ah, les champignons sont pas chers. Hein. Franchement, ça s'envoie un croc en champignons là. Boum. Boum. À deux.
Ah, je les ai envoyés à la cueillette, hein. Direct. Tac. Les corbeilles de fruits, c'est bon. Ah oui, si les corbeilles c'est fruits, remets tout, hein. Si les corbeilles c'est fruits. Waouh. Si les corbeilles c'est fait. Excusez-moi, bien sûr. Nous sommes compris. 100 clients super rares spéciaux, hein. 4 étoiles, là. 4 étoiles, mon gars. Là. En vrai, 4 étoiles, qu'est-ce qu'on en pense? 4 étoiles? Attends, non, 3 étoiles, pas 4. J'ai aucun plat 3 étoiles. Celui-là, il va prendre 3 étoiles. À la limite, il va prendre 3 étoiles. Atteinte 4 étoiles avec n'importe quel aliment. Je sais pas comment c'est calculé les étoiles des aliments. Je... il manque des ingrédients dans... Ah oui. Hop. Voilà, il manque plus rien, mon gars. Je ne plus jamais entendre parler de « il manque quoi que ce soit ». Merci. Ah, depuis qu'on a économisé sur le cirage, ça va mieux, hein. Eh ben... Alors, à 156 palos, là, 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 ça, ça dégage. Économiser. On commence le jour suivant. Moins 268, on est sur la quille. Il faut faire 2200 billets, il faut posséder 7 tapis. Ah, on n'a pas assez de tapis. Visiblement, on n'a pas assez de tapis. Tous les clients de cet événement ont été servis direct. Je crois qu'ils ont rajouté le direct. Ah, lui, c'était content. Voilà, des petits bons sympatoches, quoi. Vous voyez, je veux dire, pas assez de thunes pour cette action. 40 clients. Et je prendrai pas plus de 40 clients, là. Ça déçoit un peu. Là, c'est un peu décevant parce que c'est dommage. Là, pour le coup, je peux accueillir plus de gens. Il n'y a pas plus de gens qui vont rentrer de la journée. Genre, de la journée, vraiment. J'ai plus une goutte d'eau, j'ai plus rien. Enfin, YouTube, c'est le drama. Mince. C'est un YouTube drama. Tac. Les places, oui, vas-y, remets-moi une place comme ça, tant pis. Quartier des mages, c'est spacieux. Hein. Y a pas grand chose. Y a tellement pas grand chose, je me demande si, en fait, voilà, je me permettrai pas, excusez-moi, plutôt une autre dinguerie. Tiens, d'ailleurs, il me faut du tapis. Ça, c'est. Ah, c'est couleur dégueulasse. Ça existe, couleur dégueulasse? Ouais. Visiblement, il y en a qui l'acceptent, la couleur dégueulasse. Je n'ai pas assez d'argent pour cette action, je me doute. Je vais repousser cette table dans un coin. Puis on verra si on peut y adjoindre des chaises. Ah, d'ailleurs, j'aimerais bien voir si... Je vais tester ici, hein. Parce que, au moins, ça ne me coûte pas d'argent. Si je te bascule en rose, violet, tout ça, ça passe. Ouais, ça se fait, ok. Donc on va pouvoir se faire un petit... salon de mage un peu stylé. Et donc d'ailleurs c'est une vraie question, genre je peux attraper aussi un tapis, genre... Ouais. Ouais, on peut faire de la couleur sur les tapis. Genre si je veux faire un rose sur toi, ça passe ou pas? Ah, ça par contre ça a pas l'air. Non, ça a pas l'air de fonctionner. Je vais me mettre sur ce type de couleur là, hein. peut-être ça marche. Non, là, ça marche que sur les meubles. On voit pas les tapis. Dommage. Ah. Alors, il y a peut-être un tapis, celui qui est un peu fadasse, qui se colore, mais... C'est, je vais peut-être pas aller prendre le risque. Alors, vous voyez, là, j'aurais tellement aimé qu'on puisse aménager jusqu'au rebord. Là, pour le coup, j'aurais fait la petite véranda, là, sur le rebord. Ça aurait été hyper stylé, je pense. Tout du moins, ça aurait une certaine classe. Le sol des magiciens, alors je crois qu'ils vont me fournir des nouveaux sols un peu stylés, mais en attendant, ils auront un bois un peu plus. Voilà. C'est sûr. Pour l'instant, vous avez un bois plus. J'ai presque envie de mettre tout l'étage du bas, non pas en bois, mais en pierraille comme ça. Genre, vraiment, tout l'étage du bas est en pierre. Et l'étage du haut sera en bois.
Et à part les mages qu'on doit à leur petit plancher, pour leur petit peton fragile. Tous les autres, c'est la brutasserie. Même toi, garçon. Ah, ça tâche un peu les yeux, quand même. Hein. Ça tâche un peu les yeux. Ça tâche un peu trop. Par contre, ça ferait plutôt bien pour les mages, pour le coup. Et peut-être plus une pierre qui rappelle les murs. Puisque on va aller teinter. Voilà. Parce qu'on va évidemment aller teinter les murs à un moment donné. Hein. C'est ce qui va se passer. Hein. Évidemment. Ouais, commence le jeu suivant si tu veux. Hop là. Ah oui, j'ai 7 tapis. Félicitations à moi. Ok. J'ai lancé plus de 2000 balles en une journée. Pas tout de suite. Pour récupérer tous les ingrédients, on les récupère. Et rejeter. Ah non. Non, ça m'intéresse pas de faire ça. J'ai assez pour lancer. Ah non, il faut 60 champignacs. Oh les gars, non, je peux pas. Mais ça veut dire que j'aurais dû vous envoyer chercher du fromage là à 500 balles. J'ai pas le choix en vrai. Deux gars. Deux gars, ça fait le travail. Vas-y, j'envoie un 27 et un 28, 100%. J'envoie les plus mauvais de l'escouade, ça passe tout seul. On va aller se faire une fête du fromage, hein. On peut pas récupérer les champignons. Il y a dinguerie. Il y a combien de champignons? 39 sur 60. Et il m'en faut 60 pour déclencher la turbo teuf. Non, c'est ouf. Une petite faute de raccord. Voilà. Alors, ce qui pourrait nous intéresser aussi, c'est texturer les murs, là, tant qu'on y est. On pourrait partir sur des bons gros murs de pierre tout en bas, hein, au rez-de-chaussée, là. On aurait juste vaguement peint en blanc à l'intérieur côté cuisine. Voilà. Enfin, ça fait chambre, ça. Vraiment, on va prendre le côté mage. Mage ancestral. Voilà. Peut-être un petit côté bois derrière le vieux monsieur. Ou certains murs genre de bois. Alors, qui fait un peu vieille taverne, c'est un peu pourrave. Tu sais, elle a eu des jours meilleurs, la taverne. Un tour de mur, hein, on verra. Je confirme rien, j'infirme rien. J'ai envie de dire que l'ancienne avait un peu plus de gueule pour le coup. Mais après, on manque de fenêtres. Hein. Moi, je serais bien allé ajouter une petite fenêtre là. Ce qui fait que j'aurais ajouté du bois. Ou alors du bois sur les murs où il n'y a pas de justement de fenêtre ou de porte. Il y a l'inverse, genre. Ça en pierre, et genre ça en bois. Enfin, plutôt ça en bois en fait. Et là je vais remettre une fenêtre, hein. Je vais bouger ça tout de suite. Donc voilà par exemple. Donc l'idée c'est plutôt de faire ici. Déjà j'ai oublié une fenêtre là. C'est de faire texture. Mur inférieur, caillasse, ouais c'est ça, caillasse, into bois, voilà. Et le mur supérieur, est-ce que c'est intéressant de faire un... Ça peut être sympa, faire ça au-dessus des fenêtres et tout. J'ai pas demandé bois non plus, j'ai juste demandé le cadre.
Ah oui, du coup, oui, ça transforme tout en... Ok. Oui, parce que j'ai pas... J'ai oublié de remettre mur inférieur. Pierre, 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 feuille, ciseaux. J'étais pas avant, hein. Pas de vue sur les magiciens, bien sûr, ces connards. On veut pas les voir. Nul ne veut les voir, de toute façon. Et de toute façon, ils ne veulent être vus par personne. Ça arrange tout le monde. Les murs supérieurs. Bois. Bois. Ah oui, du coup, hop, 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 hop. On aurait pu aussi se faire des hauts complètement bois, quoi. Mais est-ce que c'est pas un peu trop? Parce que à part le patron, tu vois, qui a vraiment l'air d'être dans sa taverne irlandaise. Sinon, après, est-ce que c'est pas un peu trop, tu vois? Ça, on va le vouloir ici. Parce que je vais ajouter une fenêtre par là, ça c'est sûr. Les magiciens, ils ont des fenêtres en angle. Peut-être pas, pour le coup. Peut-être que les magiciens, ils auront ça. Là, tout le long. Tout le long, ils ont un super spécial, tu vois. C'est des magiciens, ils sont mieux, quoi. Ils sont mieux que les autres. Pourquoi? Parce que arrêtez de poser des questions. Ils sont forcément mieux que les autres. Ce sont des magiciens, on vient de vous dire. C'est dans l'intitulé, quoi. Faites un effort. C'est pas très... Hein? Vous savez, hein. Me forcez pas à le dire. J'ai pas de thunes. Bah, vous êtes pauvre comme un... Ouais, bah, c'est bon, j'ai compris. Une fenêtre. Ouais. Je commence par mettre une fenêtre là. Voilà, ça me fait plaisir. Ça lui donne un cachet. Voilà, c'est pas monstrueux. C'est pas fou, on n'a pas fait encore cette partie-là ni rien. En vrai, ça coûte 0, on peut le faire. Le mec, il est en train de réfléchir. J'ai pas encore fait cette partie-là, ça coûte rien. On peut y aller. Est-ce que pareil, une petite version irlandaise, finalement. Mur inférieur, du bois. Genre, juste, c'est une simple cloison. C'est tout. Mur supérieur. Voilà. Bam. Alors, finalement, pas mal, hein. Fait juste une cloison, tranquille. On aurait pu se rajouter un pan de mur ici avec un pilier. Pour faire un peu, genre on a abattu un mur. Ça tienne ici, genre, comme ça. Bam! Et on garde le haut en pierre, mais le haut en pierre avec la striure. Aïe, 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 ça tient plus. Au secours, vite, hop, la striure comme ça de pierre. Bam, ça fait un petit style. Ça fait bon certes les serveurs qui se glissent un peu entre les deux, mais ça donne un lore. Et on pourrait même répéter ça sur le mur d'à côté. Hop, comme ça. Pas mal, pas mal. Et là. Ah oui, par contre, non, on a dit que c'était de la pierre de base. Il y a une idée. Je pense qu'il y a un concept art. Est-ce qu'on peut pousser même le délire jusqu'au dernier mur? Ah non, le bar est considéré comme obstruant. Par contre, on va peut-être plus aller jusqu'à lui comme ça. Ah. Tac, tac, tac. Ah, ça aurait été rigolo. Ah, regardez, on peut faire peut-être un truc comme ça. Comme ça. Comme ça. Avec une arche. Comme ça. Et là... On tient un truc. Tac, 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 tac. Demi-tour. Tac, 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 tac. Ok. Et... ouais, mur inférieur. Et voilà. Il y a un petit style, hein. Du coup, on a presque envie de pousser l'arche jusque-là, hein. Moi, je suis d'accord, hein. Je pense que vous êtes d'accord aussi, hein. Si vous l'êtes pas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en me disant « Non, c'est moche, c'est dégueulasse, tu fais chier. C'est pourri, casse-toi avec ton jeu nul. » Moi, je m'amuse.
Donc c'est tout ce qui compte finalement. Il y aura zéro vue, hein, je suis au courant. S'il y a quelqu'un qui regarde, il peut se dire il est seul à regarder. Félicitations à lui d'ailleurs. J'ai rien fait de ce fronton. On aurait pu tenter d'en faire quelque chose d'esthétique. On aurait pu faire un truc façon Magos. Ah, quoi qu'il a les bâtonnets derrière. Ouais, ouais, si, vas-y, tu sais quoi. Façon Magos, on va le garder comme ça. Ça lui donne un petit air. Petit air un peu jazzy. Non, pas du tout. C'est juste une façon de parler. Bon, 1400 boules. Alors. Je veux pas elle dans ces cas-là, je veux l'autre. Est-ce que je peux avoir l'autre? Oui. Ah oui, je veux bien repayer 1500, j'ai pas le choix. Putain. J'ai dépensé 2000 balles en un coup. Bah voilà. J'ai dû repayer la table 9 direct. Putain, et moi qui allais enfin me payer mon comptoir nul. Quand même refaire des arches. Regardez le deal. Je fais une arche comme ça, là. Sur ce truc-là. Après, je mets juste des rambardes et une arche. Arche, rambarde, arche. Il y a un style. Il y a un style qui se dégage tout de suite. Mais c'est pas grave. Let's go. Je dégage. J'ai réussi à repousser les voleurs. Il y avait un gars tout seul. On appelait d'ailleurs un gars tout seul. Faites de la limonade. Tout ce qu'on peut faire. Faites du slip et du fromage, les gars. Reste un jour avant de récupérer du fromage. Merde. 28. Est-ce que 28 champignons, ça m'arrange plus en termes de stockage? 28 champis. On y sont mes champignons. Sur 60. En fait, faudrait que je m'ajoute un coffre en plus. Après tout, il y a la place ici pour ajouter un coffre. Il y a la place de ouf. Là, je vois pas où est le problème. On peut s'ajouter un petit coffre là. Paf. Spécial, il me faudrait un couflu. Non, c'est cuisine. Cuisine. Non mais juste ajoute des boîtes. On n'a pas de budget. Alors, quand on aura du budget, t'ajouteras encore une autre boîte. Menu. Qu'est-ce qui se passe avec le menu? Ah, niveau supérieur. On a servi du poisson rôti. Posséder 14 tables. On en a 11. Organiser tout événement une fois. Vous êtes gourmands les mecs. Vous êtes quand même un petit peu gourmands. Bon, il y a un chef cuisinier à gagner en plus, mais... Voilà. Ce qui fait qu'on va pouvoir inscrire un nouvel événement. L'événement champignons. Les bourreaux, ça fait longtemps qu'on les a pas vus, les bourreaux. Moi, ça me manquait un peu. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on envoie les gars chercher du fromage. Ah non, ils nous ramènent ça dans un tour. Excellent. Non, là, qu'est-ce qui nous intéresserait? Ouais, des noix. Si, des fraises. Vraiment, pour faire bien. Je suis jamais au bon endroit. Dire-moi ça. Des fraises, il m'en faut 50, j'en ai 32. On pourrait se faire un événement aux fraises. Où se faire un petit rassemblement des pirates, mais on n'a toujours pas l'hydromel. Pour l'instant, on se fait rien. Et je pense qu'on va avoir l'hydromel, là.
Je vais pas regarder précisément comment on est. Tamara. Tout le monde a l'air de nager dans le bonheur. Bon, un petit peu moins Talbot, mais bon, après tout, c'est le seul Enig Barman. Il est censé avoir un pote, mais il a pas de pote. Il sait qu'il y a un étage au-dessus, mais il a jamais vu au-dessus. Tu vas devenir la championne de course de l'escalier. Bravo. C'est toi qui vas courir dans les escas. Parce qu'à un moment donné, il va m'en falloir une. Oui, faut qu'on aille ici. Bam, hydromel. Bam, planning. Bam, ça saute. Rassemblement des pirates. Pirates et bourreaux. Hein. L'ambiance est totale ici. Ouais, t'inquiète. Tout remplir. Alors déjà, l'eau, oui, complètement. Clairement. L'hydromel, on va s'en mettre 10 litres. Le cidre, 1 litre. Et le lait, 1 litre. Bon, le lait, c'est bien vendu. Hein. Pareil, hein, c'est comme l'eau. Hein. Il y a de la marge dessus. Hein. Hydromel, juste pour savoir, ça me coûte combien? 4 pièces le litron, quand même. 4 pièces le litron, on est à 6. Bon, de toute façon, tout rapporte 6, quoi. Tout rapporte 6 pièces nettes. 14 tables, il faut que je réinstalle des tables, mais on verra ça dans le jour d'après. Oula. Ah oui, j'ai dit, c'est le jour du, c'est les jours des chevaliers ou quoi? Du fromage. Excellent. On est à moins 57. Allez les gars, faut rentrer un billet. J'ai presque envie de faire cette partie-là en bois aussi. Je sais pas si ça vous parle ou pas, histoire de dire que par exemple tout cet ensemble-là est plus ou moins en bois. Tiens d'ailleurs, j'ai pas fait cette arche. Vas-y, mur supérieur. Hop. 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 Parfait. Hop. Mais non, en fait, c'est pas ce que je voulais. Voilà. Voilà. Je serais presque tenté de les faire aussi. Comme ça, avec la striure et tout, mais peut-être pas. Ou alors peut-être, mais en cuisine par exemple, peut-être, mais c'est pas dit. Faut garder ça comme ça. Cuisine, on peut partir sur un mur tout blanc, hein, vraiment blanc. On part sur blanc, les gars, hein, c'est vraiment c'est les murs de la cuisine. C'est blanc, c'est hygiénique. C'est blanc. C'est blanc hygiène, tu connais blanc hygiène? Ben voilà, c'est ça. Hop. Voilà. Cuisine. Le coffre coûte 300 billets. On n'a pas les sous. Les barils sont vides dans le bar. Déjà? Ah, hydromel, les gens sont sautés dessus. Ils l'ont vu, ils ont fait à moi. Ça coûte combien à recharger tout ça? 1004. Allez, mollo, Kaira. Ouf. Ouf. Un peu de limonade, un petit peu de cidre. Oh, les mecs descendent l'hydromel comme si c'était gratos. Oh, les dingues. Oh, ils sont mazettes, ils sont fous ces Romains. Mais putain, mais ils sont fous ces Romains. Mais arrêtez, on va finir par croire que c'est gratos l'hydromel. Oh, les dingues. Mais ils tapent de l'hydromel, mais ils tapent de l'hydromel comme si avec. Oh, ça tout. Mais y'a que des pirates ici ou quoi? Il y a des aristocrates et les aristocrates ils boitent de l'hydromel? Hein? C'est quel événement? Ah mais c'est le jour des pirates! Oh! J'avais pas capté. Ok. Bon, bah on remplit tout. Hein. Voilà. All full. Succès déverrouillé. Vous avez tout rempli comme un dingue. Oh, ça envoie du steak. 766 à remplir. J'ai mal. Oh. Je souffre de la facture. Il y avait 120 personnes à accueillir. Ah ouais, par contre, l'événement est monstrueux. Bon, on n'y est pas. Hein. Jambon supérieur. Bam. Boum, boum. Avoir 14 tables. Alors, est-ce que je peux m'ajouter des petites tables pour conclure?
un nouveau chef. Yes! Oh le boss! J'ai trois chefs dans une cuisine qui peut en contenir trois. Hein. 3 sur 3, hein. Je peux pas avoir plus de chefs. Hein. Après les gens me jugent. 80 clients en une journée, posséder 33 déco, j'en ai 30, faire progresser n'importe quel employé, parfait. N'importe lequel, on va prendre Lana. Lana, tu vas donc monter de niveau et tu vas te déplacer en transportant plus vite. Bravo. Bravo Lana. Vous allez aussi contribuer à la souffrance de votre employeur. Merci. Merci à tous. Merci à tous de vous serrer les coudes avec votre boss. C'est sympa. Sachez que ce geste ne sera pas oublié de tous. Juste de moi. Que moi qui vais skip. Des tapis. Je peux avoir un joli tapis qui est pas dégueu. Ouais, le bleu. Allez. Et ça, c'est... Ah ouais, non, ça, c'est pas chaud. Ça, c'est pas dingue. Je pense qu'on partira plutôt sur le bleu. Par contre, si on part sur un bleu, première vue, il faut qu'on décale un peu l'étape, parce que sinon, c'était collé au mur. Et je suis pas fan de l'idée. Ça rentre, là? C'est roll même beans, hein. Voir les tapis. Ouais, pas grosso merdo, c'est ça. Ça arrive, ça va se toucher en fait. Ça me dérange. J'aime pas trop. Mouef. Pas convaincu. Bien qu'on les éloigne un peu. Mais à un moment donné, faut les mettre aussi, quoi. Ouais, ça me va. Pas assez d'argent, oui, mais bon, on a compris l'idée. T'inquiète pas, on a compris l'idée. Il me faudrait donc des objets décoratifs. Des jeux, toujours pas de jeux, toujours pas de jardin. Un emplacement pour sorcières supplémentaires. Incroyable. Non, non, encaissons un peu de thunes. C'est toujours Hugo le barman. D'ailleurs, Hugo le barman, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le mettre au-dessus tout de suite. Voilà. Hop, le spécial. Go. Hop. Ouais, moi, je pense qu'il y a un destin de mettre directement le comptoir ici. Rect. On va ici et on récupère Hugo. Salut ma gueule. Merci pour ce verre d'eau, l'ami. Quelqu'un va aller chercher ce verre d'eau? Je pense personne, jamais. What? Ah oui, par contre... oui, par contre... Ça devient un problème. Emplacement pour serveuse, 2 sur 2. Je peux ajouter une serveuse, genre... Ici. Un nouvel environnement car certains accessoires se chevauchent. Que tous les carreaux soient bien verts. Ah, de l'endroit où je le pose, ok. Les tankins qu'ont les filles, c'est ça? Bam. Il me faut une nouvelle... embaucher une nouvelle serveuse. Ouais, va pour Lily. Parfait. Impeccable, Lily, baisse ton salaire. Bravo Lily. Allez, au boulot, arbeite. Dépêchez-vous. Les gens, ils attendent leur godet. Vous voulez pas vous brouiller? Il y a une tonne de godets qui attendent ici, là. Alors que lui, là-haut, il attend juste avec son verre d'eau. C'est juste mon petit verre d'eau. Très mignon avec son petit verre d'eau.
très crédible, on y croit à fond. Il est incroyable. 880. Coûte un peu cher, c'est la viande, hein. La viande comme d'hab, hein, qui coûte, coûte un bras. Je charge un peu l'auberge, hein, j'en profite, je bourre un peu les stocks tant que je peux me permettre. 80 c'est fait, bon il manque les décos, mais bon tant pis pour les décos, hein. On peut attendre un autre jour. Loum loum loum, voilà. On est à 700 balles de frais, ne servir que des desserts toute la journée. 450 litres de boisson. Alors, des desserts toute la journée. Je veux rien, je veux rien. Il n'y a pas d'événement aujourd'hui. Il n'y a rien. J'ai l'impression qu'elle me propose toujours de... de faire ceux des événements. Non, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe ici? Si vous avez rien pour moi, des fraises à 500 balles. Des fraises à 500 balles quand même. Hein. Mais beaucoup de fraises à 500 balles. Une statue ici. C'est un vrai problème. Problème intenable. Certains diraient même insupportable. Je suis pas si fan que ça de ce banc. Il y a d'autres types de bancs là? Non, hein, il y a vraiment deux bancs et le rembourré quoi. On aurait pu faire aussi, j'y pense, genre un comme ça et deux comme ça, tac, tac. C'est pas déconnant. Ça peut se faire. Mais on n'a pas l'argent. Peut-être peut-être qu'on va faire ça. Je pré-shot l'idée. Qu'à faire, replacer de l'art intelligemment et intéressamment. Hop hop. Et la Joconde... la Joconde, c'est trop raffiné, c'est un truc de magicien, ça. Un truc de mec perché. Voilà. Fous-leur ça. Bon, en même temps, j'ai envie de dire... ça aussi, c'est un truc de mec perché. Bon, allez, c'est des trucs de mec perché. Ça dégage, ça va aller chez les magiciens. Ouais, non, mais ça va vraiment pas avec la couleur, hein. Ça jure un peu. Et ça, non, une vue sur les paysans, c'est insupportable. C'est insupportable. Par contre, ici, vue sur les paysans, très ok. D'ailleurs, tant qu'on parlait de choses et d'autres, est-ce qu'on peut éclairer plus comme ça? Je sais pas si c'est bien ou pas, mais c'est un éclairage. Et bah on voulait des tapis. Hein. Hop, ici. Du bleu. Voilà. Normalement j'ai mon quota de tapis, hein, de déco. Ah, des tapis comptent pas comme des décos. Ah. Du coup, décoration. Des drapales comme ça, voilà. Je sais pas si c'est pour l'instant si c'est très ok. Bon, j'en ai trois, ça me suffit. Et au passage, j'ai passé les tranches des 1000. Tiens, et hop, je prends les 1006. Ça, ça fait du bien. Du coup, je vais déplacer ça. Oula, 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 oula. Ça part là. Et voilà, oula, 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 oula. C'est ça que je veux. Si, calme-toi. La zone des bleus, là. La zone des bleus. La zone des bleus, j'aimerais faire voilà, des décos. Non, des constructions. Construction, genre.
comme ça. Plutôt comme ça. Ouais. Ouais, plus comme ça, ouais. Trop serré vers le fond, je trouve. Un petit cran vers l'avant. Est-ce qu'on se ferait pas genre la Royal Table, voyez-vous? Ah non, ça fait pas joli avec le tapis. Ça jure. Jure. Jure que ça jure. Sauf si le tapis... Le tapis est au bout en plus. Hein. Le tapis, on peut pas l'avancer plus. Donc non, on va garder ça comme ça. Et d'un côté, on va... tu sais quoi, je vais même bouger ces tables-là. Je vais mettre des... je vais mettre la... Deux tables... Ah, j'y arrive plus, je trouve plus. Je voudrais mettre deux tables comme ça. Parce que la grande, ce sera trop. Je pense que des arches encore avec des... ça jurerait pour le coup. Ça jurerait vraiment trop. Surtout que celles-ci, on va essayer de se les mettre en mode bois. C'est pas mal. Est-ce que toujours dans mes constructions, je peux me mettre genre... Fenêtre avant d'être une aide. Mur supérieur comme ça, une tour comme ça, une tour. Non, c'est bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Récupérer les bannières. On peut la mettre là, la bannière ou c'est mort? Ça a l'air d'être bien mort. Pas placer cet objet ici, tu mens. Voilà. Et là, il me faudrait bleu. Excellent. Très joli. Il faudrait un deuxième tableau de type bleu. Et ce serait impeccable. Est-ce que j'ai de l'argent encore pour des bannières? Excellent. Pas assez d'argent pour effectuer cette action. Ok. Ah oui, je les aurais bien envoyés aux fraises. J'ai une idée, c'est vrai. Il y avait une idée dans le fait de les envoyer aux fraises. Bon, c'est la fin, on va peut-être pas s'embêter avec ça. Mais du coup, les tapis bleus sont vraiment fadas, quoi. J'ai l'impression que ça change grand-chose. Presque un celui-là, il a presque plus de peps, quoi. C'est ça qui est fou. C'est que tant que c'est pas rangé, tant que c'est pas entièrement placé, c'est un peu bordélique. Ouh, on a fait 19 billets. À première vue, on a bouclé un truc. J'ai même pas fait gaffe. Posséder 22 tables. Oh, tu m'emmerdes, hein. 22 tables, ça commence à faire beaucoup, hein. C'est pas que je t'aime pas, mais... le jeu t'exige beaucoup, je trouve. Faut que je place des tables. Hein. Je m'excuse rien. Le jeu exige que je place des tables. Donc je vais placer des tables. Oh les bourreaux.
Les bourreaux, c'est la bière. Hein. Les bourreaux, c'est de la bière et de la bière brune. Et uniquement ça. J'ai assez de champignons pour refaire une teuf avec vous. On va faire péter un petit fromage quand même. Je vais péter un fromage, les gars. Et normalement, j'ai de quoi planifier un autre événement. Le classique, la famille. Du classique des familles. Allez, un fou envoyé. Je peux pas nourrir 130 gus là? Je peux pas accueillir 130 crétins. Et j'ai pas assez de bancs. Let's go. J'ai pas assez d'argent pour ça. J'ai assez d'argent pour ça. La maison est pleine à craquer. Oh, pffouah, plus de bancs. C'est que ça l'objectif. Parce que si j'arrive à tous les servir là, je me file quoi, 1300 si j'arrive à tous les servir. Allez, gars, y a pas de discussion. Hein. Faut y aller. On en rentre là. Allez, allez, allez. Faut que ça rentre. On est à 64. Je pense qu'on peut encore tasser avec le pire. Bougez pas. Hop. Bon, il y en a qui seront pas servis, hein, mais c'est pas très important, finalement. Sur la royale table. Allez, on rentre. Alors attendez, je vais tout de suite replacer ça dans son contexte, hein, vers ici, parce que j'ai pas de place. Enfin, j'ai pas de lumière, surtout. On va vous placer un chandelier, les gars. Hein. Ça va, je pense, ça dépotera un peu plus. Un petit chandelier. Qu'est-ce qu'on en pense? Hop là, voilà. Tac, lumière. Un petit qui pète. Ou un petit qui pète pas trop. Non, ça c'est vraiment celui de la guilde des guerriers. Vas-y, ça c'est le royal. Sur vous, je suis un autre élément. Perturbe cette histoire. Là, c'est éclairé. On peut pas me dire que c'est pas éclairé. Bougez, dégage. C'est largement assez éclairé. On a pas besoin de plus d'éclairage. Par contre, on sert de tout, hein, par contre, hein, aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on sert de tout. On a passé de la soupe à 3 étoiles, mon gars. On est bien, on est beau. Et... Ah oui, c'est le jour du fromage. Super. Fromage parti. Place. Plus de bancs. À l'expansion. Colonialiste de ouf, tout de suite. Instantané. Vite, grouillez-vous. J'ai pas assez de thunes pour ça. Vite, donnez-moi un sesterce. Voilà, merci. C'est la crise. Vite, c'est la crise du siège. Oh, les sièges, ils coûtent trop cher. Ce sera des bancs pourris temporairement, je veux pas le savoir. Eux, ils veulent une bougie. Ah, j'ai pas assez pour une bougie, allez vous faire foutre. Allez, j'ai assez pour une bougie. Non, j'ai toujours pas assez. Si, j'ai assez pour une bougie. Lumière. Action. Une bougie. Bougie de merde. En plus. Genre, vous êtes considéré comme ayant de l'éclairage? Ouais, c'est clair bien les lustres. Hein. Ça déconne pas. Hein. Risque modéré d'incendie. Ouais, bon, ouais, c'est pas... Hein? Bon. Moi, je trouve ça chipote un peu quand même. Moi, je pense que je vais mettre un lustre au milieu de ça. Le problème d'incendie disparaît tout de suite. Juste un lustre, je dégage 3 bougies, on parle plus. Paf. Lui s'emmerde. Lui s'emmerde. Mon comptoir est plein. Et bah, il me faut plus de serveuses. Euh.
J'ai bien pris le... J'ai bien deux places, ok. Allez, hein, faut une serveuse de plus. Là, faut servir. Hein. Et j'en ai que je peux pas encore rentrer. Donc, faut que j'arrive à rentrer tout le monde. Il faut une autre table. Oui, allez-vous comme ça. On n'a jamais vu d'autant d'installations à l'arrache. Les gars, ils installent les tables en même temps que les gens, ils arrivent. Si en vrai, on a déjà vu ça. Pas pour autant que c'est professionnel. Pas assez de thunes pour ça, vite. Allez, installez vos fesses. Allez, on s'installe. On consomme, on boit, on picole. Videz les stocks, là. J'ai encore de la bière, je vois que j'ai encore de la bière, ça me dégoûte. Ça me dégoûte de savoir que j'ai encore de la bière. Allez, hein. Faut boire, hein. Faut y aller. Il reste de la place. Je suis sûr que je peux encore tasser avec le pied. Peut-être pas trop par ici. Voilà, une petite table au beau milieu du couloir. Sinon, j'ai encore ici. Attendez, j'ai encore ici. Ici, on peut encore négocier des trucs. N'inquiétez pas. Oui, alors, on y voit que chi, mais bon, ça arrive. Ça arrive. Voilà. Hop. Ça vient par là. Hop. Et ouais, une petite bougie. Alors, on a un feu, hein, mais visiblement, ça éclaire pas. Ah, je peux pas. Voilà, là je peux. Lumière. Voilà. Ça me fait plaisir. Vous y voyez quelque chose. Ah oui, lecture, vite. Là c'est bon, on a assez. On a assez d'argent, on peut remettre une table. Et un banc. Allez, faut que tout le monde rentre là-dedans. Hein. On tasse avec le pied. Allez, faut que ça rentre. Là j'ai assez pour ajouter encore un banc. Ça va rentrer. Hein. Ça va rentrer. Ça tient. Ça, franchement, ça tient tout seul. Il y en a qui s'en vont. Ah, tout le monde s'en va. C'est un échec. Mon dieu, c'est un échec. Nous sommes en risque d'incendie modéré. Nous allons être obligés de passer sur de l'excellente cale. De s'en arrêter là, je reviendrai sur le jeu plus tard. Je vous remercie, c'était Knarfonction comme d'habitude Gaming et je vous dis à la prochaine, ciao.